loin de. Regarde. Ok. Je ah, tire à la recherche, t'as un camarade. Dans la corde. Prends une partie. Ah non, m'étonne pas, t'as mal de quoi là. Ah, non, ah, qui ton... ah, je veux savoir, qui est ton ami là, le chanois? Ah, t'as problème. Ah, t'as me pétant, moi, t'es Kai Tseng. Ah, tu viens d'arriver de Tim. Tseng? Tseng? Et Tao? Mais comment ce... Mais... Que se passe-t-il? Attendez, de revenir. Parti pas sans moi, de ah, revenir. Il a du problème, en fait, que tu l'as parlé en chinois. De revenir. Tu l'as parlé en chinois traditionnel. Ah, lui, il a pas compris. C'est trop bien pour lui, non? Toi et Pinocho! Waouh! Ça fait bizarre de trouver un ami chinois! Ami petit chinois! Ah, qu'on ne parle pas les deux là! Tout à l'heure, de rencontrer le bâton de la. Ah, toi! Ah, fille de pute de te val, fille de pute! Ah, que de te dire de rencontrer bâton de Amui et bâton de Tinois. Mais je suis content, t'es heureux maintenant. Moi, plus tout seul, Chinois, ami, famille, avec Cheng Tao, nous allons former Tiad. C'est trop bien. Ah trop heureux. Merci, Wizou, j'en les ai là pour le. Pour rester dans l'immersion, merci Wizoom qui est là, enfin. Voilà, vous l'avez votre Wizoom, ce qui rageait, il est là. Les rats ne quittent pas le navire et surtout pas Wizoom, les gars. Merci beaucoup. Il n'oublie pas d'où il vient. Et il vient sur YouTube, les gars, pour soutenir la maison mère. C'est énorme. Salut Wizoom. Par contre, tu viens, parce que, attends, c'est pas le, le stream, voilà, hein, où tu viens en touriste. Tu viens quand même, t'as fait un minimum, tu viens modérer. Attendez, les gars. Attends, je voulais mettre, je voulais pas mettre ça, en fait, je voulais mettre une musique d'ambiance. Ah bah t'étais tout content, t'es pas happy. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il faudrait des bonnes musiques de Tai Chi, les gars. Bien détente. Tala! C'est trop détente, ça. Ouais, c'est bien ça. Ah, des problèmes à t'entendre. Ah bon, t'as un problème pour m'entendre. Mal content de vous trouver. Lao Tzu disait toujours, la vérité appartient à chacun qui suivra ton avenir pour trouver le Tai Chi. Ah, comment es-tu content de te voir? Avec ton gueule, tu dois... c'est bon. Oh. Il avait la gueule un peu babouillée, il a dit, ouais, voilà, débabouille toi la gueule. Ah voilà, de me tant mieux. Menu Bédoud, Menu Bédoud. Ah, il est là, c'est bon. Bon, je vous explique. Moi, j'ai eu problème avec le gouverneur. Tu vas contenter mon gouverneur. Tu vois, le gouverneur, tu vois. Ah, t'es quoi le nom, gouverneur? T'es quoi le nom? Non, c'est pas du 720, les gars. Non, je ne pense pas. Attendez, est-ce qu'il y a des lags? Attendez, je vois ça. Je go tout chelou. On s'est bien senti, patron. Comme quoi. Hello. Ah, ni hao. Tu entends de ça qui n'a rien fait pour lui. Laisse-moi faire ma vie américaine. Qu'en voulez-vous? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, non. Il vous a demandé ce que vous voulez. Pourquoi de vous voulez ici là? C'est un film là! Ah oui, mais on veut rien, okay. On veut juste passer, hein. C'est juste que vous êtes au milieu et de la route quand même, hein.
Regarde-moi, c'est américain pétanqueur. Un jour, nous allons prendre le contrôle ici d'un quartier. Nous faire storm, tout buffet, et toute famille, amener ici. Qui se décolle un petit peu, qui laisse passer M. Chil de Mer, Ben, la petite crevette, elle veut bien s'éloigner un petit peu. Comment ça, monsieur le maire? Moi, on a foutre. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, Blady, c'est monsieur Fumi. Descendez, ma... Ça suffit maintenant, hein? Qu'est-ce que c'est que cette agression? Laissez-moi tranquille, pourquoi m'embêter? Ah oui, ah, c'est putain, vrai, moi j'encule l'Amérique. Amérique, terre bon, d'accueil, mon cul. Laissez-moi tranquille. Le son c'est bon là, il entend tout le monde. Il m'a botté le cul, ce petit cheval. On a... Allez, tenez de vous remonter à vie. Ouais, moi je te le rappelle, on va discuter. On arrive à entendre tout le monde, les gars, c'est bon. Gang héritage le contrôle. De toute façon, moi j'ai envie de créer un gang et j'ai envie surtout de prendre. Écoute-moi, tu fais rien pour attendre, laisse-moi me champo. Ah, il a pas donné, il a un peu tobu. Campai, il a beaucoup tobu. Ouais, tobu, t'es chez nous aussi, mon petit gars. Ah, mais il a oublié. Ah, désolé, il a oublié. Il a tobu. Laisse-moi. Enlève code. Enlève code. Sinon, je vais faire mal la puissance et vous gagnez aussi là. Deux fois, pas trois. Ah, t'es dur. Ça, c'est la technique. Kung Fu. T'as compris, le petit, deux fois, pas trois. Ah, ça va beaucoup mieux là. Bisous, mec. Bon, appelle l'autre con. Ah bah de quoi que l'autre il est un peu fatigué hein. Il est où? Mais qu'est-ce qu'il m'a mis? Mais c'est qui ça? C'est... Me dis pas que c'est Grégouze là. Mais... On te quoi? Il est où Tao? Parce que t'es Tao pas qu'il a pire que t'étais pas où il l'a ramené. Il a dû l'emmener chez le médecin. Bon écoutez Américain. Américain. Moi gentil, moi fin de lit. Mais toi... Soigné ami, mon ami Tao, il est mal. Ah mais moi de quoi il était le médecin, il était dedans, t'as de me soigner. Ah bah merci beaucoup météor. Ah des mal à la tête, fils de pute. Vous en priez. Non mais Greg, sérieux Greg? Bon, c'est bon, on a compris. Bon, nous on a trouvé un gouverneur, nous on doit parler pour prendre terrain, nous monter gang. Important de prendre autre stabé. Important, oui. De te tuer, m'étonne pas. Oh, à m'étonne pas. Hein. Ah, des palabres avec Meutu qui était à Mui. Hein. À lui être Tinoti. Hein. Qui est un Tinoti? Non. On va pas faire l'enfeu, les gars. Si j'ai une équipe comme ça, les gars, je vous assure qu'on va pas faire l'enfeu. En fait, il faudrait d'autres persos plus costauds là. Parce que... En avant, Michonne, quoi. Allez, au plaisir. Hein. Ah, oui, à bande de taré. Dégage! Entre que 3 mètres, méchant pas. Ça va pas en tête. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je voulais tabac. Vous venez de renverser un de mes associés. Putain, ça. Mais ça suffit maintenant. Ma carte de patrie. Écoute-moi, gros patapouf. Si tu continues en ton bide, je vais en faire du canard laqué. Maintenant, tu nous laisses tranquille. Mais sans chute, moi, sur deux scènes. Qui va faire du canard laqué? Qui va faire du canard laqué maintenant? Il a tombé. Putain, on va se faire niquer. Calmez-vous, Tino, on va niquer des mères. Putain, on va se faire niquer des mères. Ah, pourquoi viser moi? Nous rien faire. Ah, ça fait trois fois qu'il en reste là. Vous accrochez mes camarades. Ah non, pas faire mal. Bouge-toi. Pas faire mal. Je vais demander au shérif un petit peu là, que ça les abuse. Et ici, terre d'accueil pour Chine. Pour Chine. Arrêtez, on veut pas de crabuge à Saint-Denis. Nous, on veut pas des noirs ici. Pas noirs. Nous, on n'aime pas noirs. Ah non, moi, ça. Mathieu, je peux vous parler? Oui. Oui. S'il vous plaît. Oui. Mathieu, qu'est-ce que tu m'as dit? Pas de soucis, hein, qui des Chinois, des Noirs ou ce que vous voulez. Tant que tout le monde est en paix. Écoute-moi, nous, on n'a rien à faire. Nous, bousculer, pas faire expert. L'on laisse nous partir.
nous travailler en fait moustainerie. J'avais quand même insulté le petit gros et compagnie. Non, j'ai dit qu'il avait bon bide. Nous en Chine, quand quelqu'un go, ça veut dire signe fortune, beaucoup prospérité. T'as TV, tu peux avoir. C'est vrai, on est d'accord en Chine. Ah ouais, t'avais dit qu'il allait moyen de te payer plein de canards. Voilà, attention, on a un patabouf, il arrive. Alors, il voulait dire, excuse, c'est bon, rien fait. Regarde, j'ai rebondi sur ton bide, ton dos là. Excusez-vous tout de suite. Excusez-vous tout de suite. Aïe, arrêtez, de rien faire, fils de pute. C'est quoi ça? C'est pas possible, ça. Attends, c'est Grégoire. Attends, c'est Grégoire, je l'offre. Vous allez vous calmer maintenant. Non, c'est pas Grégoire, je reconnais pas son écho. Vous allez vous calmer. Aïe, arrêtez, de rien faire. Comme disait monsieur Schildebeer, de la diversité, y'a pas de souci, hein. Mais dans le respect. Monsieur le Chumeau. Bon, c'est bon, on a compris SP. On a compris SP. Maintenant, libérez-nous. Libère-nous, nous, main d'œuvre pour travailler en Amérique. On doit faire muraille dans le sud pour pas empêcher Mexicains venir. Je vous attire, bonne idée ça. C'est vrai ça? C'est vrai ce monsieur? Ouais, c'est vrai. Vous allez empêcher les Mexicains de venir? Vraiment? Ouais, nous on est vénères. Ouais, je suis chérif. Ouais. Nous voulons parler responsable. Moi, chercher main d'œuvre avec tout le monde qui travaille, très bon travail manuel. Amenez-les-moi, on va fermer équipe et en société pour travailler. Ah, nous, super travailleurs. J'ai connu des Asiatiques bien plus respectueux que vous. Je pense que je vais buter un des deux là. Les gars, je vais faire buter un de mes Chinois là. C'est moi que vous appelez Sumo là? Je sais pas c'est qui, si c'est pas Grégo, je le fais buter. Ok, je le balance, je garde juste. Crocodile, let's go. Arrêtez, ouais, allez, on dirait un petit tour dans le bayou. Ah, monsieur, pourquoi? Lui, c'est personnel. Lui, c'est ami. Moi, tout est ici, ami. Moi, tout seul, sinon. Laisse pas. Mon petit asiatique, tu as déjà rencontré des crocodiles? Ah, ouais, pour bouffer. Hein. T'es bon, ça, crocodile. Ouais. Ça fait un beaucoup bon goût. Hein. C'est vrai, pourquoi? Tu veux voir des jolis alligators? Non, nous, ah oui, alligator, c'est beau ça. Tu veux que tu n'aies pas ta patapouf. Tu vas pas alligator laquer. Ah, ça, tu vas aimer avec baguette dans ton cul. Non, méchant pas, du calme. Oui, du calme, mais libère. J'ai compris la leçon, allez, libérez-les. Ah, nous, super gentil. Moi, compris la leçon, on vous donne l'autre chinois. Ouais, prenez l'autre. Prenez l'autre raté. Fuck you. Ah, il faut qu'on reste à deux et l'autre, on le fait buter l'autre. Oh, c'est le cas des mulettes là qui m'a botté le cul deux fois là, que je le bouffe. Oh non, pas menu Bédoude. Bonsoir monsieur. Ah, je vais le bouffer ton mulette, il m'a botté le cul, en plus tu m'as renversé avec ton mulette. Non mais laissez menu Bédoude tranquille. Bonsoir. J'étais sur le toit. Bonsoir. Il est parti. Ouais. C'est lequel, je vais le bouffer. Mais attends, c'est pas... la gamelle pour le... Il est parti, il est moi maintenant. Oh, il est oh, mais tant qu'il faut le cobra royal. Je contacte Penny, mon Penny. Wow. Ah, regardez, mais il fait le cobra royal. Petit, mais costaud, hein, Penny. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il des pompes de Penny. Il est possédé, là. Il faut l'emmener au spectacle du théâtre Runner, cet homme-là. C'est un coeur, ce qu'il fait avec son corps. Vader est trop satanas. Comment ça, il faut appeler Révérin. Mais sérieux, Corpse? Non, regarde. Je suis sportif. Non. Moi, j'ai fait du sport alors, j'ai fait du Riri DJ. Ou alors, vous lui collez une balle et hop, le démon s'évapore. Non. Peut-être pas une balle parce que ça tâcherait le trottoir, mais bon. Oh, sinon, après, ça se nettoie. Bah oui, effectivement. Bon, laissez-moi vous parler. Nous, Dante, nous, on n'est pas des filles de pur. Nous, on va faire travail mexicain. Mexicain, puis venir dans vos villes. Et voilà, par la force de mon pays, m'a libéré. C'est bon, on a compris la histoire. Maintenant, laissez-nous partir. Quel mexicain? Eh ben, vous pouvez partir aussi. Allez, viens, m'y tente pas, on te croit. Ce qu'il fait faire avec son corps. Bon, je vous explique, monsieur maire. Vous, maire, vous partons ici, c'est ça? On peut dire ça, monsieur. D'accord, nous besoin à fond pour travailler. Nous allons faire société, bâtiment, t'as un public pour faire mur, pour empêcher un étranger à venir ici. Le Mexicain. Un mur de Chine. Oui, nous avons expérience. Nous, papa, comme papa, fait mural de Chine. Nous pouvons faire la météo. Attendez, à Bogo. Bon. Oui, combien vous avez besoin? Est-ce que ça irait 10 dollars? Non, vous voulez 100 000 dollars. 100 000 dollars. Pour acheter tout. 100 000 dollars, vraiment. Acheter les chevaux, acheter tout. Les matériels. Très bien, attendez, je vous signe un chèque.
je signe un chèque. Oh, bien joué, Mishamba. Voilà, ah ouais, donnez un chèque. Tenez, il y a un papier qui marque. Nous, pas détourner, nous travailler. Vous mettez quelqu'un qui contrôle le travail. À réclamer auprès de Monsieur Pecker. Très bien. Monsieur Maire, nous voulons aussi un quartier. Là, on peut accueillir famille chinois, tout famille ici. C'est possible? Bien sûr, on a un quartier chinois, tout à fait, oui. D'accord, ouais, très bien. Montez-moi. Mais écoutez, on va vous montrer le quartier chinois, oui, puis vous allez vivre va être là-bas. La baston avec les... Un peu drôle, hein. On a foutu, nous on fait kung fu, nous mater, nous tout le monde papé. C'est un quartier à nous. Excusez-moi. Ah, mais m'étonne pas. On va lui donner un quartier chinois, on va voir combien de temps il va tenir dans le quartier chinois, tiens. Bon, j'accepte. 100 000 dollars, on est plutôt. J'accepte. Non, attends, j'ai enlevé la musique. C'est bon, on a essayé d'écouter de la musique. Et merci Sean Mondara, merci beaucoup les mecs. Ceux qui s'abonnent, j'ai pas mis les alertes parce qu'on doit se concentrer maintenant sur le RP. Et est-ce que Michampo, les gars, il est assez. Enfin, est-ce que. Du coup, il est de quelle orientation sexuelle, les gars? C'est très important. Tenez, monsieur, pour savoir si on fait des scènes de ouais, films romantiques et tout avec des petites scènes sympas avec la cinématique. Faites-vous respecter. Ah, de reconnaître, il y a les lanternes. Tout en fait. Gay ou full. Très attiré par la femme américaine et grosse. Ah, parfait. Ça, c'est à vous maintenant. Vous êtes responsable de ce quartier. Oh, bah, merci beaucoup. Il y a un don de Septerrain, bien vu, j'ai oublié de remercier. Bien vu, merci Rezou, j'ai oublié de remercier. Merci, c'est abonné aussi en tant que Go, tier 3 aussi sur ce live. Merci, bien vu de l'avoir. Bon, il est où ce quartier chinois? C'est pour nous ça? Je vous cherche de protéger ce quartier des malfrats, il y a des bandits qui viennent ici. D'accord, nous travaillons bien, nous allons faire restaurant, tout asiatique, épicerie, voilà l'apprécieur, cuisine. On va faire la laverie. Est-ce que c'est votre ami, ça vous le connaissez? Mando! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Est-ce que vous êtes mes frères? Mais. C'est quoi lui? Faut mais chinois, c'est lui. C'est stalker chinois qui vient! Non, vous êtes estonné, hein! C'est pour vous. Allez. Pas chinois? Ah! Mathieu, arrêtez, monsieur! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, je me connecte, il y a trois chinois d'un coup, quoi! Après, Mathieu, avec moi! Putain! Merci Sean Mandara, j'ai vu ton message! Bon, je vous explique, nous en Chine, nous organisés comme à l'allemande! Tu comprends? Bon, peuple germanique! Nous, c'est mettre ordre. Bon, je vous explique. Les Américains très gentils avec nous. Ils nous laissent quartier. On doit faire tout monter. Les Américains, eux être pas travail, eux dire payer taxes. Hein. Vous venez de où hein? Ah, je suis allemand, personnellement. Ah, eux venez à Magne. Hein. Moi, je suis américain. Oh, je veux faire un allemand. Oh, j'ai envie de faire un allemand. Américain. Il faut se faire une maman. Ça dit, ça dit, spin, vous parlez d'autres langues, hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Il faut se faire une guten Tag. Mais oui, okay. Moi avant à Pisa, il n'y a pas longtemps. T'avais si peuple germanique, votre territoire. Mathieu, calmez-vous. Nous ne sommes pas tous allemands, hein. Oh. Il n'y a qu'un allemand dans notre équipe, monsieur. Moi parle votre langue, mais également parle un peu de langue allemande. C'était bien ça. Ça ressemble beaucoup à Chine dans l'intonation. Il faut fight, pinitzi, scheisse, la kartoffel! Oh! Impressionnant, hein, vraiment. Impressionnant, regarde! Si petit on s'y croirait, hein, monsieur Stoffen, hein, vraiment. J'ai crois que j'étais flopé une Allemanite! Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis Michampo! Mais je suis en train de parler comme un Allemand! Michampo, calme-toi! C'est plus un quartier asiatique, c'est un hôpital psychiatrique, monsieur. Mais que je ne fais pas partie de tes dents, de les connais pas, monsieur! Toi, respire, Michampo, respire. Je comprends pas, j'ai mes vieux démons qui reviennent. Quand j'étais en Europe, avant qu'on se tire. Oh, que t'es envoyé à l'Europe. Oui, j'étais en Allemagne, j'ai tout envoyé à l'Europe. Michampo, il a fait tout du monde. Ah bah, vous pourrez envahir ce quartier, là, puisque c'est comme ça. Bonne attends, t'es bien plus allemand de envahir, de entendu dit. Il faut se faire une piste de chasse. Oui, on va y aller. A bientôt, monsieur, hein. À quoi que monsieur Roy, tiens Roy, je vais leur visiter un peu le quartier, je te laisse te charger de ça. C'est le ministre en charge de la culture et de la visite Ah, enchanté, nous arrivés ici pour travailler, on va faire Mirage des Chines pour empêcher Mexicains dans le sud d'Amérique. Nous chercher Go Conta. En attendant, nous installer le quartier ici, faire un piscine chinois, restaurant chinois, famille chinois, femme chinois. Laverie, Michampo, laverie. Ah, tu nous restaurant.
Et l'alcool chinois aussi. Ah nous on perd beaucoup d'alcool, c'est bon ça, c'est bon, c'est un délice ça. Oh d'accord, alcool avec les femmes tout nues au fond du verre. Mais qu'est-ce qui va emmerder ce cheval? Je le tue le cheval? Attends, j'en ai rien à foutre. Bon bah du coup votre priorité c'est de faire un maximum d'alcool à une quantité. D'accord, et vous faites quoi monsieur? Vous avec le nez rouge, tout drôle. Comment? Vous, vous allez aider nous à installer. Moi, je vais goûter, moi. Je vais vérifier le contrôle de qualité. De la merde. Oh. Ah, vous allez goûter. Hein. Nous, on n'a encore rien fait. Nous, on à va vous attendre avant. Ben oui, oui, qu'est-ce que vous foutez encore là? D'accord, allez, on va travailler. Ah, t'es parti. Nous allons prendre possession des lieux. C'est pour la Chine ici, Chinatown. Mathieu Bell, de quoi t'es parti dans? Ah, dis que vous m'avez, les Américains, c'était nous. America, fuck you! Fuck you, America, ici en Chine! Ami Tonpo, écoute-moi! Ami Tonpo, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Ah, de pente qu'il faut être un peu plus délicat avec Américains, sinon ils vont nous gâter gueule! Non, ils ont compris à qui ils ont affaire, ma chef, Michon Po! Je t'avais dit, Michon Po, super diplomate. Ah bah que t'es bien vu, moi. On va monter à Amérique, comment baisse la femme. Ah, Michon Po, de te popo de tu. Oh, gars, on a une armurie. Toi, tu le feu, moi, de tu la glace, ça te va. L'armurie, c'est bien. On va devoir mettre un quelqu'un pour disposer à Amérique pour prendre le taxe. Il y a des dates, dès que quelqu'un veut partir. Oui, Bando, de me permettre de vous parler, parce que je vous demande où est mes frères. Si vous les connaissez. Mais t'es fait à travailler à Amérique. Qu'est-ce qu'il fait? Un petit, ils t'ont travaillé, ils t'ont tout petit et c'est... un très grand, monsieur. Ah, oh, moi de quoi t'as de quoi ils t'ont au théâtre? Il y a trop d'excès de. Ah, mais ils t'ont au théâtre? Ah, toi, t'es de regarder des fins cancans. Il y a trop d'accent chinois, je vais pas m'y retrouver, les gars. Attends, t'es-tu? Ah, bah, merci beaucoup, monsieur. Ah, bah, de rien. Bien. Je vais y aller alors, merci ah, à vous, monsieur. Ah, bah, j'ai pas si c'était le bon call. Merci Théo Laboury pour l'abonnement, les gars. Et bon, nous allons monter la plus grosse communauté chinoise ici, dans Saint-Denis. Comme monsieur, ça, gapiller terre, comme on a fait avec Aubervilliers. Monsieur, écoutez-moi, monsieur Leblanc. Vous dites que monsieur, avec les cheveux blancs, de parler avec monsieur l'Américain tout écoute-moi, à l'heure. Écoute-moi, Tolo, chinois, Piro, ça, si, mamie, son pauvre. Pas cheveux blancs. Mais vous avez les cheveux blancs. Manque pas de respect à Michon Po. Michon Po. Monsieur Michon Po, l'Américain m'a dit qu'il allait nous tous nous tuer. Puis ah il continue de commettre. Menteur. Va pas tuer Michon Po, nous travaillons ici, t'es dur. À partir de maintenant, si quelqu'un de venir dans la mûrie, nous taxer. À nous, Michon Po. Non, taxe. Attends. Attention, monsieur. Attends la garderie, écoute-moi, petit litin. Attends, t'as pas fait un bon signe. Monsieur. Le pochon, toi veux arme, toi payer taxe. Mais comment ça? Tu donnes 10 dollars. 10 dollars pour accéder à Muir. Donnez tout de suite à Michon Po. Mais attendez, mais c'est une nouvelle règle? J'ai jamais entendu c'est parler notre de notre quartier. Regarde derrière toi, c'est écrit en quoi? En. C'est quoi? C'est en cyrillique ça ou c'est chinois? Connard? Je sais pas dire moi le chinois. Ah, maintenant tu donnes 10 dollars. Ça veut dire que c'est nos bâtiments, nos terres. Toi, donnez tout de suite à Jean. Combien je vous donne, monsieur? Donnez 10 dollars tous. Tous? Attendez. Non, justement, c'est bon. Non, ma blague. Ma blague. Monsieur, t'as pas compris. Oh, mais rigole pas trop, il donne les 10 dollars à Michon Po. Ok, d'accord, qui est Michon Po? J'ai envie de le cut. Voilà qui est Michon Po. Ah, t'es lui, t'avais coucou toi. Attendez, monsieur. Je le cut ou pas? Putain, j'ai tellement envie de cut un mec gratos. Monsieur Po, il nous regarde. Monsieur Po, il nous regarde, les Américains. Ah, mais défi, hein. Je vous en ai donné un de plus pour pouvoir vous faire il m'a donné ou pas, son culé? Il m'a donné ou pas? Comment tu parles, Michon Po, toi? Qui te pue? Excusez-moi, bon. Mais c'était qui petite blague? Tao, laissez-les rentrer. Laissez-les rentrer. Merci beaucoup pour 10 dollars. Allez, rentrer. Merci, bon. Messieurs. Bon commerce. Merci, messieurs. Non, il me l'a donné, c'est bon, j'ai reçu les 11 dollars. Alors, qu'est-ce qu'ils nous vendent par là? Putain, c'est bien fait, hein, putain. Ah ouais. Faudrait un QG les mecs, un QG de ouf. Calme-toi. Il faut absolument trouver QG, quartier général chinois, on s'entend tranquille.
Ah, t'es qui toi? Ah, toi quoi faire, E.T. Mais il pue le partout quoi? Mais. Ah, t'es trop beau, E.T. T'es qui toi là? On a la famille Ming. Ah, parle tant de toi, chien, qui nous a pu lire. Oui, si, si. Mami shampoo avec Tao. Ah, qu'est-ce que vous êtes là? Que vous foutez là? Ah, c'est chez nous aussi. Ah, est-ce d'accord. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules de merde? Merci French Touch, mais attends, attends, mais comprends pas. Ça veut dire qu'il y a déjà chinois ici, hein? Bah, bien sûr qu'il y a chinois. Il y a la famille Ming, la famille Chang. Toi, okay. Maintenant vous allez comprendre qui est Michampo. Vous allez prêter allégeance. Qui est? Prêter allégeance à Michampo. C'est qui Michampo? C'est moi. Je vais être le chef militaire de ce quartier. Maintenant, ah ouais, vous écoutez. Amenez tous les chinois. Tous devant. Bah écoutez, après vous. Vous savez, ils travaillent tous. On a les quatre. Ils travaillent où? On a une armurerie. Est-ce que vous êtes déjà organisé? Parce que nous, travaillons pas. Continuez tout, éternité, tout Amérique, nous bientôt indépendants. Quartier à nous. Ah ouais? Bah il est déjà au chinois, hein, le quartier. Vous arrivez un peu après la guerre, je crois, monsieur. J'ai compris. Mais nous, reprendre départ partout. Pas comprendre? Ah, partout, ouais, ouais. Je pense qu'il nous faut allons reprendre Saint-Denis. Bientôt Saint-Denis comme Aubervilliers. Tout attends, partout. Bonne idée. Toi, ah ouais. Va donner une arme, Michel. Moi, je suis tout petit. Je suis tout petit, je suis ridicule. Si ma meuf t'envoie un don, tu te mets en couple avec moi. Ça paye maintenant pour l'armurerie, messieurs. Attends, si ma meuf t'envoie un don. Dis-toi, mais vous allez dire, tu m'as déjà gâté, mec, merci beaucoup. Pourquoi tu. 10 dollars. 10 dollars, non mais ça va. C'est bon. C'est pas négociable. Nihao. Attendez, mais. Nihao, c'est l'os, c'est l'os. C'est l'os, c'est l'os. Fais gaffe, frérot, tu vas te faire saboter la gueule. Bon, si vous voulez entrer en mairie, payez tout de suite. Ah oui, monsieur, il faut payer, moi j'ai payé. Il a payé le monsieur là qui ressemble à un petit plante. Ouais, mais faut payer partout là. Ça va bien. Oui, je sais, mais nous on doit construire des choses, en faire agrandir le quartier. Vas-y, viens, on se casse. Ah bah voilà, ça se casse, regarde, américain. Américain. Ah, bande de crevards. Mais messieurs, mais c'est pour les aider dans leur commerce, faut comprendre. Ouais, t'as des gentils, t'as gentil, gentil. Gentil, bien docile. Mais attends, mais il y a combien de gens, il y a combien de chinois dans cette ville? Bon, nous devons accepter famille Ming. C'est-à-dire que lui, il a même pas assez de thunes pour entrer dans votre armurerie, alors voilà. Exactement. Oh, tati. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Oh, famille Ming, écoute-moi, écoute-moi toi là, écoute-moi, écoute-moi là, toi là, oui, toi, je parle toi là, tu comprends, foot's fight, maman salit, swan, shit, pinne, scheisse, your style, eine Franzose, and I say you. D'accord, vous êtes sûr que vous êtes chinois et pas allemand plutôt? Ma maman a fréquenté des gens bizarres, c'est pour ça que j'ai développé en moi une petite. Ouais, je pense qu'il faut aller voir Geisha. Une Mengelite. Ça arrive des fois souvent, c'est pas normal, mais c'est pas grave. Écoute-moi. Ming, moi je suis de Shanghai. Ouais. Moi comprendre où vous êtes, vous, votre bâtiment. Comme ça, nous, pas déranger. Et nous, vous, pas nous déranger. Nous, amitié. Bah écoutez, nous, c'est simple. On a le restaurant de Jade et l'armurerie. Ok. Montez-moi. Tout. Bah, l'armurerie, c'est viens, ici. On va voir ce qu'il a proposé. Et après, il y a l'autre famille, c'est la famille Chang. Qu'est-ce qu'il fait, Grégouze? Quoi, il y a deux familles? Je m'occuperai plus, de ta femme pendant ta relation Chang, avec lui. Mais eux, on peut pas se déclarer. Ah, guerre de chinois, je vois le exactement. Ah, il y a vraiment un quartier chinois, les gars. Et après, il y a une partie du marché là-bas, mais le marché, c'est plutôt à tous les Asiatiques. D'accord, donc ça peut être les chinois ratés, quoi. Exactement. Les stalaras. Le les espèces d'hybrides, fuck you. Et le restaurant, voilà. Ah, ouvrez le restaurant s'il vous plaît, monsieur Ming. Il est en travaux. Il est en travaux, le restaurant. Mais écoutez, allez rencontrer les autres. Et je l'appellerai comment ma mère alors, du coup, vu qu'elle est allemande? Américain. Bah, t'es le mec que non, mais c'est quoi tous ces chinois, putain? Il a ton frère qui est à la mairie.
Ouais, exactement. Est-ce que les gars, je voulais que je les mène direct dès maintenant, je les emmène en guerre contre monsieur le maire ou pas, les gars? On va direct. Ou trop tôt, hashtag trop tôt. Faut que je monte un maximum de chinois et on attaque. Qui sont vos frères? Je cherche une arme d'occasion. Est-ce que vous avez des armes? Bien sûr, armurerie juste à côté. Ah, Tao, occupe-toi de lui, il doit payer frais, bien sûr, comme d'habitude pour entrer. Je pense que vous êtes fait arnaquer, monsieur. Matkan d'Amérique m'a violé, monsieur. Il a violé. Est-ce que je monte la team de Chinois maintenant, les gars, dans le chat? Il a foiré vos papiers aussi. Attendez, je reviens. Monsieur Ming, je t'en m'entretenir avec vous. C'est la plus haute importance de la Chine. Attendez, je vais. Bonsoir. Déjà présenté vos familles. Attendez, je vais m'occuper des clients et on se présentera. Installez-vous tranquillement plus loin dans la rue. Pardon, monsieur. Ah non, écoute. Monsieur. Oui, pas loin. Vous avez un motif particulier pour sortir votre arme en ville? Vous savez que c'est pas interdit. C'est notre quartier, monsieur. Ça appartient ici au Chinois, monsieur. C'est dans notre quartier aussi. C'est notre quartier. La juridiction de ça. Plus grande que toi. Bah, la juridiction, c'est ce qu'on en perd, on le met dans le houlot de printemps et ensuite dans nos culs. Vous savez à qui vous parlez, monsieur? Non. Sans petit, là. Vous parlez d'un représentant de la loi, quand même. C'est notre quartier, monsieur. Donc vous allez quand même baisser d'un ton, si vous voulez pas que je vous attrape. Et vous allez répondre à mes questions. Oui, bah, je m'appelle Michon Po, que vous voulez-vous? On nous a signalé des tirs ou des Mexicains qui foutaient le grabuge. Vous auriez pas entendu... Ah, Mexicain, fuck you, il doit pas rentrer ici, je te dis. Alors les Mexicains chez nous, la dernière fois que vous en avez vu, je pense que vous avez même pas votre plaque encore, monsieur. Monsieur, vous au shérif, donc donnez argent, on va pas construire une muraille de Chine ici, c'est oui, normal. D'accord. On n'est pas en Chine ici, il n'y a pas de muraille. On n'est pas, pas en Chine, votre quartier il appartient à la ville de Saint-Denis. Oui, monsieur, mais nous, construire une muraille de Chine pour empêcher les Mexicains d'entrer par le sud. Non, c'est pas Mexicain. Big wall. Le fusil en ville dans Saint-Denis est interdit, même si c'est dans votre quartier ou non. Mais vous avez une preuve que j'ai tiré, monsieur. Non, mais vous exhibez votre fusil. Mettez pour le vendre, il fait des prédentations. Moi, si j'exhibe mon fusil, rien à foutre. Je suis armurier, je me fais braquer tous les jours parce que personne n'est là. Moi aussi, j'exhibe mon fusil, c'est quoi le problème maintenant? Oui, j'exhibe mon fusil. Vous êtes en train de vous afficher devant tout le monde, là. Tout le monde sait que vous avez un bon fusil et que... Mais tout le monde sait que c'est vous qui braillez dans la rue. Mais sauf que nous, pas américains, nous tirer tout droit. Nous, pas tirer à blanc. On est là pour la sécurité du peuple. D'accord? D'accord, ouais, bah écoutez, quand je me suis fait braquer $1000. Merci, monsieur, y'a pas de souci. C'est bon, vous êtes content? Voilà, c'est parfait. Oh là 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 là, quel travail. Vous on rassure tout le monde, merci. Oh là là, qu'est-ce qu'on est rassuré. Monsieur, si c'est pour rester ici dans notre quartier et pas consommer, je vous prie de dégager maintenant. Bah ouais, mais le shérif, il m'a dit de mettre l'arme dans mon dos. Vous ferez pas braquer puisque nous on est là, monsieur. Non, vous êtes pas là. Mets des grosses droites, j'ai trop envie que ton perso soit vénère. Tu veux que je me vénère sur un mec? Merci, les gars. Non. Il m'envoie 50 balles, les gars. J'ai envie. Je vais terminer un mec, les gars. Je termine qui en point? Qui je peux? Non, je vais pas victimiser Tao. Je vais victimiser un autre. Des grosses patates sur l'autre chinois devant le shérif. Ok, c'est parti. D'accord. Écoute-moi, pas chinois. Avec ton uniforme. Tiens, bon, dis-moi. Voilà, tiens. Lance dans ta gueule, toi. Bon, monsieur. Écoute-moi. Dites-moi un peu. Toi, je t'ai dit de t'inverser, de rester ici et de travailler. Ah, il y a des nouveaux chinois qui sont arrivés. Travaille, reste derrière le comptoir. Reste derrière le comptoir, killer. On s'est braqué trois fois, monsieur. On s'est braqué devant la banque de Saint-Denis alors qu'il y avait des policiers, ils ont rien fait. Et calmez-vous. Voilà. Lui, il fait trop le bouillant là. Quoi, Michel Pau, quoi? Qu'est-ce que je t'ai dit? Travaille maintenant. Tu travailles. Je t'ai dit de travailler. Arrête. Mets-toi à genoux. À genoux. D'accord, je fais partie de la famille Ming. Donc le Tao. À genoux. À toi, pas frapper, Michampo. Arrête. Non, pas moi. Obéis, Michampo. Calmez-vous. Les gens se postent. Merde, trop petit. J'arrive pas à l'avoir. Je suis trop petit. Tu l'as eu, méchant pas, bien joué. Fils de pute. Ah, lui, il vient de Wuhan. Il vient de Wuhan. Lui, pas chinois, vietnamien. C'est une merde. Ah, lui, pas chinois. C'est pour ça que je l'ai dit. Il a rien compris. Et toi, pourquoi toi, tu es venu partout comme ça? Parce que t'es mon cousin, vous l'avez frappé. Merci, John Mix. Ah, toi, c'est ton cousin, d'accord, t'es bien. On va récupérer, on va réparer tout ça. On va réparer. Merde. Qu'est-ce que vous avez fait? Emmène-moi vers. Me descend.
Ah, t'es juste à gauche en sautant, mon champa. Pourquoi vous tapez les frères? Parce que lui, pas vouloir travailler. On l'a demandé de rester derrière comptoir et récupérer argent américain. Ouais. Qu'est-ce que... regardez-le. Qu'est-ce que ça fout noir ici, là? Attends. Alors, lui... Attends, je... Là, il tire, médecin. Alors, lui... Ah ouais, le lutin, ouais, mais je l'ai pas vu. Ah merde, c'est l'autre porte. L'autre côté, l'autre côté. Il tire, mais t'en pas. Ça va mieux. Ah, mais t'es pas mérité le coup. J'étais obligé de monter l'exemple. C'est moi, Michel Po. T'as fait mal à terre, non, t'es super mal à terre. Ah. Tati, que se passe-t-il? Qui a tiré? Putain, c'est le bordel. Putain d'Américain de mes couilles. Attendez. Oh, ils ont l'air méchants. Bon, écoute-moi bien, espèce d'Américain là. Je veux savoir, c'est toi qui a tiré? Pardon? On a pas de pardon? Monsieur, vous n'avez pas l'autre, monsieur. Vous allez pas l'autre, hein. Monsieur, nous, faut faire business, nous, on travaille ici. Pourquoi déranger nous? Et c'est faire business de racketter quelqu'un de 10 dollars pour le faire rentrer dans la boutique? Bah, c'est normal. Nous, on fait entretien, c'est pour les frères. Beaucoup frères ménage, normal, beaucoup frères pour la famille. Et depuis quand les taxes 10 dollars? Ah, c'est notre quartier, nous, on fait ce qu'on veut. C'est notre quartier. Non, c'est pas votre quartier. C'est notre quartier. On va tout acheter. Tout acheter bientôt. Rien du tout. Non. Oui, le maire. C'est le maire qui a dit. Oui, le maire, oui. Ça m'étonnerait que le maire vous ait dit ça. Si, le gros monsieur, Simo. Écoute-moi. Le gros monsieur Simo. Écoute-moi, monsieur. Monsieur américain. Nous bientôt faire un regroupement familial ici. Nous tout acheter bâtiment par bâtiment. Ensuite. Eh ben, on verra bien. On verra bien. On est dans nos droits, pays de liberté ici. Hein. Toi, pas dire quelque chose contre nous. C'est notre affaire. Toi, hey, c'est le guignol de Michon Po. Qui me parle affaire, mais... C'est moi là. Où est-il là? Là, ici, monsieur Lambrou, ici, là, devant toi. Allez, viens me voir. Qu'est-ce que tu fais là, toi encore? De quoi? C'est un shérif, hein. C'est shérif. Ah, mais je le fume ou pas? Bah oui, il y a des shérifs. Nous sommes bien protégés. Bien sûr. Je le fume, ce fils de pute. N'arrive pas des Mexicains à les attraper plutôt que faire chier Asiatique. Bah dites-nous où ils sont. Écoute-moi, Lambrouille. Ok, oui. On a eu un passé difficile, Taïma. Maintenant, si c'est mon quartier, fuck you. Reste pas ici. Tu n'as aucun droit ici de sévir. Et j'ai tous mes droits dans cette ville, méchant peu. Vous n'avez pas à nous parler comme ça, monsieur. Je suis désolé. Tous mes droits. Pas les façons de parler à des shérifs. Hein. Comment ça? Mais les shérifs de pacotille. Nous, moi, mettre meilleur shérif que lui. Oh non, vous pourrez jamais être shérif. Jamais, jamais. Ah, si la vie, il a bien changé. Ah, très bien, perdu, là, on va lui montrer. J'ai pris, la place de... j'ai pris la place d'un autre guignol, là. Je me souviens plus de son prénom, là. La Rouille, je crois. Oh, mais la vie, ça a bien changé. C'est comment... Qui a fait du mal à de la Rouille? C'est lui qui devait me tout me rembourser, me payer pour avoir travaillé pour le mur. Qui a fait ça, c'est toi? Ah non, du tout. Très bien. Enlève ton âme, je veux t'affronter devant tout le monde, oui. Je veux te casser ton gueule. Allez, combat! Reste devant. Ah, vas-y, méchant pas. Esquive, méchant pas. J'ai jamais vu ça. Capi la gueule, tu t'en pas. Il est trop petit, il est trop. Regardez-le, il est trop petit. Je suis trop petit. Oui, t'es bien, mais t'en pas, continue. Frappe-moi. Il est trop petit. Continue, mais t'en pas. Je frappe plus fort. Arrête, laisse-moi. Attends pas dans les couilles, mais j'en pas. Allez-y, monsieur Lambrouille. Vas-y, mais t'en pas. Vous allez pas salir mon honneur. Ouais, t'as plus dans les parties. Oh, il t'en va, il t'en va. Ah, il fuit. Attends, ce que t'as mis, Michel Po. Te laisse pas faire. Vas-y, mais t'en va. Allez, vas-y. Vas-y. Ah, il a perdu son chapeau. Ouais, t'es pas au
Oui, continue, Mito. Allez, vas-y. Frappez au sol. Tu vas voir, espèce de sale gitan. L'esprit du combat, je suis chaud en fait, j'ai progressé, non? Utilise ton Wing Chun, Champa. Ouvre la septième porte. Vas-y, mets ton bon. Bloc, frappe. Allez. Il est américain, tu sais bien. Appelle le coup de tigre. Quand tu l'as encore, t'es américain. Merde. Bloc. Ah, le vide pur. Il connaît les techniques intégrales. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il est rapide comme le guépard. Rapide comme le terre-pas. Pourbe comme les renards. Vas-y, un mis de fort. Autre part qu'ici. Allez, monsieur Lavourouz, allez. Ah, mais c'est allez, non. Allez, mets ta bouche. Je l'ai pas reconnu sans son frappeau. Oh. Restez pas autour, monsieur, restez pas autour. Oh, regardez-le, mes champions est trop fort. Je vous achète après, je vous achète. Non, mais t'as pas fait, bloque, Ah, bloque. Eh, prends ton coup de boule. Une bonne fois pour toutes. Bah, t'es inamitible, ton mes champions, pense à la menthe. À la menthe. Tu pas que pense à la menthe religieuse, mes champions. Je suis trop fatigué, perso. Frappe fort. Et vous emmenez pas, vous vois là. Ferme-la toi, petit homme le prochain. Attention. Et on joue pendant 20 minutes. Vas-y Michon. Vas-y Mitanpo, capte la gueule, au tigre. Utilise la patte de tigre. La patte de tigre. Ils se défendent bien les petits aux yeux d'abord. La patte de tigre. Ah, 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 ah. Enfoiré! Voilà! Il te pue! Viens, Michon, pas! Je ramène toi, médecin! Michon, pas! Bande de filles de pure! Anto, on va niquer vos mères! Pardon? Bien sûr, c'est ça, oui, bien sûr! On devait te soigner, Mitonne! Putain, chier! Tiens le coup! T'es rien, t'es qu'une défaite! Putain, j'étais pas ridicule par contre! Les gars, il est trop grand, c'est chaud! En fait, c'est chaud, les gars, c'est trop réaliste! Je peux rien faire, j'ai aucune allonge, je peux rien faire. T'en vas mieux. On n'est pas honte, tu as très bien combattu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, t'as voulu combattre avec un super grand américain. T'as très bien battu. Pas d'allonge, lutte au grand. Ouais, tu frappais, ça passait sous mon temps. T'as pas utilisé la patte de tigre aussi. Patte de tigre, j'ai pas eu le temps. Il t'a niqué ta hâte. Il faut que je travaille dur, que je m'entraîne. Ils ont mal entendu, ils ont pas entendu que vous avez dit que vous allez voir le maire. Ils ont entendu vous allez niquer votre mère. Et c'est auquel de deux qu'on compète la guerre deuxième fois du coup. Qu'est-ce qu'il veut me parler? Je suis le chef du quartier. Je suis le chef du quartier, je m'appelle Michon Pro. C'est quoi vos problèmes? Non, vous n'êtes pas chef du quartier. Non. T'es le chef du quartier, respectez-le. Eh ben, le chef du quartier s'est fait botter le cul. Voilà. C'est pas grave, ma petite, ma pas allongée, ma maintenue dure. Je vais fumer, écarter le cul de shérif, n'importe quel shérif bientôt. Ouais, ma vengeance sera terrible, hein. terrible. La vengeance, ça va se faire en joule et ça va vous calmer. Hein. Oui. Ah, Arrêtez avec la corde! Laissez-le tranquille! Ah, arrêtez! On t'a bien fait. Ouais, crache-moi une fois dessus, toi! Je suis caché! Cours, Michonne! Cours! Allez, cours, Michonne! Cours! Ah, mais dis donc! Oh! Ah, lâchez Michonne pas! Donnez rien à faire, Laissez-moi! Couvrez-moi! Je me casse! Je me tire! Allez, cassez-vous, bande de. Sale blanc! Pardon, excusez-moi. T'en penses à toi, ce fils de pute! Attends, ils arrivent! Ma
bah, pas comprendre. Ma tété, Bakwata. Ma tété à Valentine, m'a repoussé. Moi ici, on m'a accepté. Pourquoi me virer encore? Je comprends pas. Je dois pas monter faiblesse. Toi me connaître. Toi me connaître. Ouais, moi, très bien connaître. Toi, tu vas pas craquer, Michon. Je dois pas craquer. Le plus fort, t'es toi. T'es le plus fort au village. Je sais. Là où tu disais toujours. La puissance mène à la peur. La peur mène à la colère. La colère mène à la vengeance. Et la vengeance mène à côté du cœur. Je veux... En ce moment, tu es en pleine colère. C'est la colère. Je comprends pas. Pourtant, moi... Petit pute américain. J'ai tout fait pour amener famille ici au groupement familial. Pour faire comme on a fait en Europe. Nous amener famille. On a acheté tout au Bervilliers, tout. Je sais, Michampo, c'est grâce à toi. On a fait la couture. Je comprends pas. Je mérite pas ça. Je mérite pas d'être humilié dans mon nouveau quartier. Aide-moi, Thaï, à devenir quelqu'un de mieux, de meilleur. Mais nous, petits Chinois, donc nous devons plus stratégique. C'est-à-dire qu'il faut pas attaquer frontal. Il faut attendre trouver Shérif tout seul. Il a raison. Attacher lui, après le tuer. On peut pas attaquer frontal. Eux sont trop grands, c'est des Américains. Ah, d'accord, ma compère. C'est-à-dire, on finit. Finit. Exactement, on finit baby. Tellement ça, Grim. Il a réveillé en moi la peur du dragon. Ne t'inquiète pas, on va garder à l'œil lui. Quand lui a trouvé tout seul, vengeance. Je suis Kobashina. Dorénavant, m'a pas laissé faire. M'a protégé, toi. Nous, Chinois, nous, devant eux, faire grand sourire de oui, oui, super américain, ami, best friend, love. Ne parle plus. Maintenant, nous allons bâtir une nouvelle ordre. L'ordre des Chinois. Tu comprends? Je comprends. Rappelle-toi, nos familles ont souffert. Ils sont morts. Papa mort, maman tout mort. Maman sonne. On doit... se laver de cet affront après. Et monter que nous, Chine, comme puissance. Et un jour, tout acheter, tout, famille, tout. On doit baser notre puissance sur nous. Je vais envoyer tes légumes en Chine, faire beaucoup enfants. Comme ça, beaucoup de population. Faut, les gens. Faut nous être des millions. Des milliards. Des milliards. Il faut assembler les hommes. Rebut des effectifs. Il n'y a plus d'hommes, les deux autres avec nous, clochard, pas bagarre, rien. J'ai l'impression qu'on est avec des putes. J'ai l'impression qu'on est avec des putains de fils de pute de ratés d'hybrides qui viennent de Vietnam. Pas vrai chinois. Pas vrai chinois, vietnamien, petit de pur. Ça va être compliqué, les gars, mon équipe, elle est pas terrible. Mais toi, avoir âme, Michampo. Nous pouvoir faire beaucoup de dégâts, juste attendre le bon moment. Moi, voilà, China number one, t'es qu'il dit du China number one. Et à ce moment-là, nous allons retrouver tout dans la peur, dans le quartier. Bon. Ah, mes champos, ils vont regretter ce qu'ils t'ont fait. Allons-y, nous pas avoir peur. Nous faire comme on fait en Europe, j'ai compris. Nous faire comme avec Améka, les Blancs. Oui, bonjour monsieur, nous, bonjour, gentil, oui, salut, ça va. Exactement. Voilà, c'est comme ça, on doit être friendly. Ah, bonjour, de peut vous taire avec les demander, menu Bédoud, peut-être. Les gars, est-ce qu'on la joue plus sournois en tant que chinois? Couteau dans le ventre. Genre sourire de façade, sourire de façade, comportement exemplaire, mais on met grave des putes derrière. Genre full solidaire, full communautaire. Et on leur met cher derrière.
D'accord, moi, on va compris cette fois. Pas de frontal, pas de frontal. Non, pas frontal. Toujours finition. Stratège bocale. Chinois. D'accord. Ok, on va faire sourire comme ça. Talent, il a pris le monde gentil. Oh, allez, bienvenue. D'accord, ne pas faire payer alors. Nous être soumis. Très gentil, pendant que derrière, on va acheter des armes et tout. Couteau dans le dos. Et ensuite, on va leur faire comprendre couteau dans le dos. Oh. Ah, bonjour. Ah, du coup, les tarifs, ils vont retenir, monsieur Mitampo. Écoutez-moi, j'ai un nouveau tactique. On va faire stratégie Chine. Quoi, bah, c'est-à-dire, de façade, vous allez faire sourire. Bonjour, nous gentils chinois, venez, venez entrer. Pas taxe ici, pas taxe, vous dites ça. Ah. Et après, nous mettre coup de couteau dans le dos à ce fils de pur. Ils vont voir des Américains. Ah. Voilà, faites-les gentils, gentils. C'est compris. Allez, on y va, on va faire ça, on va faire les putes d'Amérique. Et on va faire les gentils. Et après, ils vont voir. Pendant que nous, on va tout acheter, s'enrichir. Eux, être dans la merde. Oh. C'est les bandes tactiques, bandes tactiques. Oh, bonjour, bonjour, salut, Américain. Bienvenue dans notre quartier. Bienvenue. Toi, vous la nouille. Bienvenue. Salut. Nous vous aimons, monsieur, nous vous aimons. Salut, nous vous aimons. Amitié, amitié, Amérique. Vous amitié, aimez le quartier. Eh oui, oui, on fait des rondes dans le quartier, on est les... Vous êtes bienvenus, prenez nos femmes, tout, ce que vous voulez. Prenez de la nourriture, de l'agriculture. Je crois que vous m'avez volé 10 dollars tout à l'heure. Ah, on va te rendre, attends, c'est pas grave, on a fini ça, y'a pas de taxes, c'est annulé. Tu veux récupérer ou je prends ton argent? Vous savez quoi? Votre pantalon est troué, achetez-en donc à nouveau, oui. D'accord, mais c'est gentil, gentil, c'est bien ça. Le pantalon toué, d'accord. Super américain. American number one, c'était bien. Venez, on va vous monter un autre quartier. Alors ici, vous avez un restaurant chinois, bouffé à volonté, B42 Covette, c'était bon ça, vous commandez en plus. Bonjour monsieur, bienvenue. À bienvenue. Ouais, j'avoue, c'est pas mal ça. Kun, ciao. Ciao, à tout le monde. Ah, quel plaisir de vous voir, mec! Bonjour, monsieur! Bienvenue dans notre quartier! Vous pouvez acheter tout! Ah, vous êtes pas grand! Vous devez avoir gros pénis! Ma mère est votre intervente, monsieur! Ma mère est votre intervente! Voilà, c'était bien comme ça, là, les gars! Vous devez avoir grosse bite! Bon! Je vais, quand je vais prendre ma moule! Ma moule! Il est où ma moule? J'appelle mon moule! J'appelle le tout dans tout le monde! Menu B12! Menu B12. Voilà, pas toucher, manger ça. Ça, t'es transport. Ça, t'es mon moule. Tu fais quoi, toi? Vas-y, on y va. Maintenant, on se casse. Et on va aller voir les autres. Aïe! Bâtard! Bon, les Chinois, venez avec moi. On va sympathiser avec tout le monde ici. On y va, c'est parti. Attends, faut demander tout bantion. Ricovet B42, 2 dollars. Gâtu pour les gens nouveaux. Ah, je crois que ton copain fait un malaise. Ah oui, il est là-bas. Bon, au diable la solidarité chinoise. C'est pas grave, il va nous rejoindre. Bon, la pression, allez. M'a mis le problème. Du coup, on va où les mecs? On va aller se manifester et dire notre présence et faire la promotion du quartier. Comme quoi, il y a tout. Feu d'artifice, saké, boisson alcoolisée chinois, bière chinois, chuntao. On a un restaurant. À Tintao. C'est quoi la bière chinoise? Ça s'appelle comment d'ailleurs l'alcool chinois? Parce que moi le saké c'est à japonais, mais pour ma culture les gars. Bon, on va où? Valentine? Ok. Très bien, j'ai compris. Rassemblement à tout chinois. On va à Valentine. Oh. Pas attendre qu'à Coudin. Si, on va attendre. Allez, on va aller chercher. Ah, des malheurs. À moi faire pipi. Hein. Historiquement, les mafieux chinois étaient beaucoup dans la prostitution. Ok, je vais leur dire. Bon, j'ai une idée. Pour développer et enrichir beaucoup d'argent, on va devoir prendre des femmes. Nos femmes à nous, nos propres femmes, putes. Comme ça. Ah, de bonnes idées. C'est exotisme pour America. Elle pouvoir faire un massage dans un restaurant. Avec un happy ending. Oui, la finition dans la bouche. Hein. On a...
Il nous faut une femme chinoise, pute. Enfin, ça serait énorme. Normal, mais est-ce que tu dois avoir une femme? Oui, des femmes. Ta femme. Une geisha? C'est pas des putes, les geishas. Enfin, c'est pas toutes des putes, hein. Bon. C'est bon, t'as bien dormi. On va aller à Valentine. On doit faire bosser en ville dans notre quartier. On va dire. De vous tuer, monsieur Pan. On y va. Vous êtes le tef. On demande une ultra chinoise, s'il vous plaît. Donc, toi, ta femme, première masseuse du salon massage. Vous voulez que ma femme devienne les masseuses? Oui. Ouais, meilleure gagneuse. La technique pour s'approcher américain, on va la mettre dans le dos, le cul. Dans le cul. Il va rien comprendre la technique chinoise, la stratégie. Tu dois être gentil, tu dois être friendly. Répète avec moi, t'es quoi? Qui friendly? Vous êtes tous friendly. Friendly. Oh, tu peux appeler. Eh bien, à la Valentine, on allait faire. Ah ouais. Friendly à Valentine, friendly. Mais t'es mon deval, mais t'es pauvre, mon paga. Ah, t'es parti, moi, de vous tuer. Votre cheval est utilisé par quelqu'un d'autre. Avec moi, mes shampoings. Bah, on joue. Va où, mes shampoings? Valentine. Valentine, tout de suite, on y va. Go. Ah, t'es parti. C'est parti, attends. Mon plan maléfique va marcher à perfection. Ma maman, que t'es amande. Et c'est fait de moi. Gertrude Brown. Le ta mère, elle est Gertrude. Elle est gentille, t'es gentille, ma maman. Un peu autoritaire, mais t'es gentille, gentille. Je dois t'avouer, mes shampoos, ça pas mon cheval. Pas grave. Allez, Valentine, direct. Ouais, une chinoise, je sais pas, qui pourrait faire du RP, comme ça on pourrait l'exploiter, servir d'elle. Pour qu'elle use de ses charmes, voilà, pour des clients américains, ouais, ça serait vraiment bien, quoi. Notre vengeance sera terrible. Vous pensez qu'on va mourir, on va pas faire long feu, les gars? Je vais être. Est-ce que je le fais dériver en mode truand, ultra méchant, recherché, comme avec Eddie Larouille? Ici, il y a beaucoup d'animaux à mettre dans l'assiette. Ou je prends le temps, vraiment, les gars, de le développer. Ah, ça, c'est alligator. Alligator, c'est bon, ça. C'est un délice, bon. Ça. Chaud mandat, vous êtes sérieux? C'est quoi ces blagues, les gars, quoi? Je verrais bien Shanice tenir ce rôle, ouais. Dans la meuf un peu ultra vénère. Ou alors, peut-être une européenne ou une américaine peut bouleverser son cœur à mi-shampoo, les gars. Et ça pourrait faire une belle scène d'amour, genre un truc stylé, quoi. Non? Bon, allez, il est temps de reprendre le contrôle, les mecs. De Valentine. Tu te précipites trop, tu poses pas le perso comme avec la rouille, ça va mal finir. T'inquiète pas, mec, j'ai la petite idée. C'est gagné, c'est dans la poche. Michampo. Oui. Que nous faire des autres chinois traites, famille Ming? Nous allons bas en tambour. D'abord, faire promotion quartier, parler de Bogal des chats. Nous devons nous enrichir en premier. T'as compris? Je comprends. Michel Poa a connu par tout longtemps beaucoup de souffrance, douleur, victime de racisme. Je savais, Michambo, moi-même en arrivant tout à l'heure, gros raciste, shérif. Et par rapport à toi, je te dis, nous allons monter comment la puissance chinoise est au-dessus d'Amérique. Dans longtemps, dans quelques années, ils vont voir Amérique. Ils seront les premiers à mener des bateaux, chercher et emporter produits chinois. Ça sera de nouveaux esclaves. Ils achèteront tout importé Chine. Nous faisons embargo comme on veut contre Amérique.
ils vont nous sucer la pine, la petite pine jaune. Le petit bouchon vapeur. Et nous serons des millions, des milliards. Shampoo, toi avoir un bouchon vapeur. Tu en vas pas dans le slip, un bouchon vapeur. Oui, bien sûr. Moi nous aussi. Allons le montrer. Ami Campo, qu'est-ce qu'on va faire à Valentine? Ferme ton gueule. Nous, on allons à Valentine pour sympathiser. Monter nos boules de geisha et faire bonjour, bonjour. Oui, et faire un travail business. Oui, toi, faire la pub de ta femme la pure. Moi, t'as de tes bateaux, d'accord. Ouais, ça va être bien, ça. Comment t'as, toi, pas d'accord? Moi, t'es pas d'accord pour faire la pub. Et c'est là que Michampo décida. Ah, t'as moi, bagouille. D'aller s'attaquer directement à la ville de Valentine pour montrer de quel bois. Ah bah t'as permis de faire de l'argent. Ils vont déformer nos femmes avec leur gold beat. Avec le gold beat de plat. Ah ça va être bien. Ah avoir des méga beats. Pourquoi ils ont les plus grandes beats que nous? Bah t'as pas important. Dans tes amis. Mission pour, je serai un jour en terre, plus en terre inconnue, ça sera ma terre. Américain, il se fout pas, ma mission pour. Parce que du coup, on n'a pas vu le printemps qui vient le rôle à venir. Je vais dominer Américain. Mais dis, on a vu. On a vu le mec famille Mime. Pas des pères au tir. Je suis le chinois vénère. Ma bacamère. Ma contienda. Un contienda dans mon cœur. Tolo, je vois. Tchonima. Make a fuck you. Make a fuck you. Ma pas fin de lire. Valentine droit devant. Toi connaître des personnes à Valentine, Michampo. Les gens connaissent Michampo, c'est pas ça. Moi bois beaucoup de caractère, moi alpha. Ils m'ont pas oublié. À nous de nous imposer. Mais d'abord, défendre l'île. Être pur américain, l'or pur. Je sais pas, Sean. On dirait qu'il n'y a pas personne. Y a personne? Avoir personne, mais je ne sais pas. Comment est-ce que se passe-t-il? Où est passé? Américain. Mais que se passe-t-il, chien? C'est tout vide. Peut-être faire dodo. La nuit des longs couteaux et des longues baguettes. Nous profiter pour baguette dans le pic-pic dans le cœur. Et comme ça tout mourir. Il n'y a pas américain. Comment ça, il n'y a pas américain? Il n'y a pas américain. Il n'y a pas américain ici. Oh, maintenant. Il n'y a pas américain. Y'a pas peut-être américain. Peut-être américain, Backwater. Backwater, peut-être. Backwater. Ok, oui, direction Backwater tout de suite. On back y va. Backwater. Allez, tout d'ami. À tes parti. Allez, Houdin. Oh, Backwater, les gars. J'ai pas vu que les annonces, je dis ah jamais non, les annonces. Pas que ça influe trop sur mon RP, mais ça dépend, parce que quand il y a beaucoup de monde, je me dis qu'il y a du monde partout, donc je regarde quand il y a pas beaucoup de monde. Bon bah c'est votre ville, French Touch qui dit ça. Il y avait un event tout à l'heure, ah ouais, où ça? Dans quelle ville? À Valentine? Oui, PayPal 2000, j'ai regardé ton message là-haut. Salut Kalashnikov, qui vient d'arriver aussi.
Shibraton, non, il était là tout à l'heure. Sean Mandara, non, nouveau. Aux Aiden. Ouais, on dirait un peu, ouais, mais j'ai. Après, on pourra pas faire non plus un RP comme ça, genre de Zombar, mais ça pourrait être un délire, ouais, un de ces quatre. Peut-être que pendant Halloween, peut-être qu'il autorisera à faire ça, peut-être à Yembap. Mais je sais pas s'il y a des skins qui font zombies sur Red Dead. J'ai pas joué au mode solo, donc je connais pas les persos. Tombe pas chemin. Bon le chemin. T'as voulu la confier à moi? Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi t'es arrêté? Nous faille mourir. Non, j'ai pas, nous faille mourir. Je vais faire tomber dans le ravin. Faudrait qu'il apprenne à. Il faut qu'il se confie un peu le perso de Tao, les gars. Je pense qu'il peut être intéressant s'il se confie un peu plus. Explique-moi, comment t'as arrivé ici? D'avoir pris le bateau. Ou pas? J'ai pris bateau pendant des mois dans la cale. J'ai dû nettoyer le slip des matelots et faire manger. Dis-moi ta souffrance. Toi avoir pleuré, toi avoir perdu poche. Non, moi pas avoir perdu poche, mais moi avoir pleuré parce qu'un américain méchant. Mais il aurait. Il nique ma séquence. Fous ma gueule. Attends, je vais forcer. Toi, pas avoir perdu Animal Company, petit soeur, violet, non? Oh non, monsieur, travailler. Compita, moi, Michel Mpou. D'accord, ma soeur. Voilà, morte. Je savais que t'avais soeur, quelque chose dans salope, ton cœur. On a dû tuer ma soeur parce qu'elle est salope. Comment elle, ta soeur est morte? Oui, elle est morte. Mon père, il a tué ma soeur parce que ma soeur fait bang bang avec tout le monde. Ah, bonsoir. Bonsoir américain, à vous, super cheval, super gentil. Oui. Abonne-toi. Tolo. Serviez-vous. Ça va super. Mais. Ah, vous êtes gentil, c'est américain. Nous venons de Saint-Denis, on fait la promotion quartier chinois. Ah bah, Saint-Denis. Ça coûte combien un cheval comme ça par curiosité? Oui, ça coûte $10. Je sais pas. Nous parlez-vous américain? On vous parle! Fuck you, américain! Fuck you, américain! Merde! Tu crois? On va niquer mon mère! On se casse, allez, on se casse! Oh merde! Merde! Il faut partir, mais j'aime pas! Qu'est-ce qui se passe? Ils nous poursuivent! Cours! Putain, merde, j'aurais pas dû dire niquer vos mères! On est poursuivis là, non? Je crois qu'on va être dans la merde, pourquoi on a fait blague? Il a la corde. Non, pas comme ça, avance. Dans la forêt. On est dans la merde. Nique ta mère, américain. Cours. M'a pas voulu mourir. Pourquoi oui, les américains sont trop sauvages avec nous? Pourquoi vous voulez nous faire mal? Direction Backwater. Ils nous poursuivent? Mais tu as beaucoup de talent! Comment t'as fait pour éviter? Ah, les filles de pure, on a niqué eux! On va lamenter! Comment nous, Chinois? On fait mourir de Chine. Ils vont nous soucer bientôt. Bon, je prends mon arme. Peut-être grand et fort, mais eux complètement con. Chinois intelligent. Allez, direction Blackwater. On va la monter de quelle baguette on se chope. Tout de suite, mes champs. Attends, il faut sauter la frontière. Allez, vite. Va vite. Ils sont peut-être derrière nous. Allez, monte. Monte vite. Number one, take it easy, dude. Bon, attention, on peut se faire poursuivre.
Merci beaucoup, hein, salade de saison. Hein. Des bons délices, ça, salade, avec même ajouté au porc. C'est bon, on arrive. Merci, salade de saison. Attention, hein, ils sont là. Ils sont là. Bonjour. Bonsoir. Oui, en plaît-il là. Attendez. Bien bonjour. Ah, bonjour. Nous, très gentils. Nous, venir de Saint-Denis. Salut. Oh, Pinocho. D'accord, vous venez de Saint-Denis. Oh, les persos qu'ils ont. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Salut. Oh, Pinocho. Oh. Ah, bah voilà, bah c'est... Attendez, c'est des... Oui. Tchongo. Ouais, ça doit être son frère, un truc comme ça, il se ressemble beaucoup. Ah, t'as un mandarin. Tchongo, tchongo, tchongo. Tchongo, tchongo. Il parle bizarre, là. Qu'est-ce qui se passe? Mandarin, on est là, tchongo, 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 tchongo. Il s'énerve. Et vous énervez pas comme ça, là, vous? Non, je parle. Non, nous parler tranquille. Nous non, simplement dire, toi va prendre tes verres pour te détendre. C'est comme ça qu'on parle ici, là. Ouais, ou gingembre pour avoir zizi tout dur. Ouais, mais faites attention parce que, bon, quoi, ici ça va, mais. Je sais pas, à Saint-Denis. Toi, ton marron, pas... ton tête, on dirait patate douce. J'ai pas compris. Non, t'occupe pas. Ah, ça va, il est où le chef, Bakwater? Il m'a parlé de promotion pour la ville, le quartier Saint-Denis, chinois. D'ailleurs, toi, bienvenue, frère chinois. Toi! J'ai rien compris. Le chef, vous parlez du maire? Tonda! Ouais, le maire. Oui, je sais, mais je sais que le mandarin, c'est une langue chinoise, mais. J'ai pas vu ce soir, monsieur. Mais il y a plusieurs, il parle pas que le mandarin, il parle en chinois. Vous? Ah ouais? Mais c'est le plus répandu. Je suis pas ami avec le maire. Bon! Vous êtes bienvenus à Saint-Denis, des gentilles villes. C'est pas grave, j'ai dû sentir l'odeur de Daisy, c'est mon anesse. Vous allez voir, nous présenter produits à Chine, beaucoup bon goût. Vous venez à Saint-Denis, quartier chinois. Vous venez nous faire promotion. Ah, quartier chinois. Ça va être compliqué d'aller jusqu'à Saint-Denis. Vous êtes bienvenus. Oui. Ah, sinon, nous ouvrons un quartier chinois ici, si vous voulez. Vous voulez commettre une antenne ici, comme ça on peut proposer service ou le de pantin, pâté périot. Pâté périot, ça c'est bon ça, pâté périot. C'est pas moi qui décide ce genre de choses, faut voir avec monsieur le maire. Bah, c'est ce qu'on vous demande. Alors il est où le monsieur le maire, au lieu d'ouvrir ton tas là. Monsieur Jacques, vous savez où il est monsieur le maire, ou... Je l'ai pas si vu sur le papier, on va manger tout ici. Il doit être à sa maison. Ah oui, il y a Matos. On va pas le déranger. J'ai un petit peu. Attendez, comment c'est Matos? Vous avez fait ça avec Pierre? Moi, on va faire un mur de Chine. Nous devons faire un mur de Chine bientôt ici. Mur de Chine. Ah, on va bien. Ah, on va bien. Pas faire. Si, on peut faire ça pour vous si vous voulez. Vous êtes envahi ou pas des fois de temps en temps? Oui. Par un pareil de Mongol. Enculé Mongol, autre côté. D'accord, vous payez à nous faire. Je sais pas, moi j'ai. Oh, c'est une décision, moi je sais pas, je réponds pas. Par argent. Non, par argent. D'accord, donc vous venez à notre restaurant bar chinois, nous donner bien Tsingtao pour vous. Oh. Amitié à vous, Balakwater, bienvenue. Ah, sinon, nous avoir d'autres petits. Cadeau pour vous, si vous voulez vous venir, salon massage, femme de lui, finition. Ma femme a beaucoup occupé America, le Didi, avec Pépus. C'est concombre de mer, bien maîtriser la texture. Vous faites happy ending, gratuit, c'est bon? Il y a plein d'informations, je comprends pas tout. Vous comprenez, monsieur Peter, vous? Ça va? Happy ending. Un peu, mais c'est compliqué. Mais là, pour nous, pour la Saint-Denis, c'est compliqué. On va dire qu'on est. On peut pas. On n'est pas bien aimé. Vous êtes pas bien aimé. Mais si moi, aider, vous aimez là-bas. Une femme ici. Ouais, Saint-Denis, ouais, si, Saint-Denis. On date pas aimé chinois. Si vous payez, nous ramenez. Vous aimez chinois ou pas? Oui, aime chinois. Bah, si vous êtes comme monsieur Maître Yang, ouais, y'a pas de problème. Moi, je peux bien vous. Ouais, ça va. D'accord, oula, t'es bien, nous compris. Ok, t'es bien. Ici, nous, les Chinois, bienvenue, c'est bon? Ouais, non, mais les Chinois, y'a pas de problème. Les Noirs, les Mexicains, les Indiens, tout le monde est. Tant vous foutez pas de bordel. Les quoi, Mathieu? Les Noirs?
Ouais, bah tout le monde. Les noirs. Ah, les noirs, attendez. Bah, ouais, les noirs, c'est-à-dire les... Bah les hommes charbon, comme on dit. Les noirs. Les noirs, noirs. Attendez, je vais parler à mes amis. Merde, j'ai bugué. Mais j'en ai marre. Putain, c'était la meilleure scène du film. putain. Non, il se foutait pas de ma gueule, Zayden. T'es bourré, pose ta bière et suce ta femme. Enfin, ta chérie. Elle doit être gentille, elle doit être délicate. Ah ouais, elle me regarde là. Chibre en main, chibre en main, chibre en main. Tu regardes le stream. Ne soyez pas en égo, en négociation, tu voulais dire, paye pas de mine. Non, t'as le droit de parler, malgré que je me sois... Soyez pas haters. Ou on a besoin des pauvres comme PayPadmin. Et ça se trouve, il payera plus tard. PayPadmin, les gars. Tranquille, les gars. On a besoin de non-sub de temps en temps. Mais ils le feront après. Vous en faites pas, les gars. Tranquille. On a des mecs comme Ozedon qui ont carré aujourd'hui. Donc tranquille. Mais bon, par contre, les pauvres, forcez pas non plus. Vous avez le droit de parler dans le chat. Mais attendez quand même 3, 4, 5 lignes de, non, de vrais sub. Et ensuite, vous laissez votre message. Parce que ouais, ça m'horripile quand je vois des trop de gris dans le chat. Ok, c'est bon, c'est compris. Bon, c'est bon, ils ont compris le jeu. Alors, on y va. Je vais relancer le... Ça a bugué. Donnez-lui quelques steaks. Gris des gris, vraiment. Ça, c'est super bon, ça. C'est que des bonnes vitamines. Perrier Juice. C'est faible en calories. Je touche pas d'argent là-dessus. Hein. J'ai pas de code promo. Mais si un jour, il me sponsorise Perrier, ça serait le feu. Mais bien sûr, Ubu. Mais t'es pas abonné. Ah si, mais si, t'es abonné, Ubu. Normalement, alors, ceux qui sont abonnés, les gars, vous allez dans l'onglet communauté, je crois. Non, playlist. Et vous allez dans playlist et vous allez voir l'onglet rediffusion des lives. Vous avez tous les lives répertoriés. Donc, dès que ce live se termine, vous pouvez revoir la rediffusion. Donc, voilà. Donc, vous avez toutes les séquences. On n'a pas tout mis sur YouTube. Donc, du coup, vous pouvez profiter de tout ça. Un putain de mendiant, ton collègue en noir, il a mangé un coup de pied. Ah ouais, j'ai même pas vu. Les mecs, attends, je suis en train de voir avec Ayembap. Parce qu'Ayembap, il m'a dit qu'il avait la dynamite. Et les Chinois, c'est les spécialistes de la poudre à canon, non? Les artifices. Me trompe-je? Donc, est-ce qu'on partirait pas sur un RP des Chinois qui s'amusent avec... Ah, mais je sais pas si... Il y en a qui ont joué au jeu solo, les gars. Est-ce qu'il y a des feux d'artifice dans le jeu? Non mais est-ce qu'on voit bien, est-ce qu'il y a des... Non mais il y a des vrais feux d'artifice bien faits. Parce que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut organiser un événement. Genre le nouvel an chinois. Ça serait énorme, mais on le ferait où, dans quelle ville? À Valentine? Avec des défilés et tout? Non, même pas un défilé, on fait ça sur une grande place et on envoie le feu d'artifice. Mais à la place du feu d'artifice, ce qu'on peut faire, ce que je peux demander... c'est qu'on explose... qu'on envoie des explosions, quoi. Dans le mode histoire, il y a des feux d'artifice. Ok. Non, non, mais Ozaiden, il faut respecter le jeu et respecter l'en... Comment dire il faut être en... Putain, ça plante. Il y a trop de monde sur le serveur. Cohérence RP, Ozaiden, bien sûr, c'est la base du RP, gros. T'as trop traîné avec Cusion, toi, hein. Par contre, j'ai que 20$, c'est vrai cette histoire, putain. Napalm. Exactement, Lady Live, napalm sur les pauvres. Oh, je crois qu'il y a trop de monde à Bellwater, non? Il me reste 20% du jeu. Mais en multi, je sais pas si on peut balancer des feux d'artifice. Ouais, mais il est énervant, ce mec-là, je claque son pompe, ce noob. Ça m'étonnerait même pas que sur Valorant, il joue Only Pompe en plus aux Aiden. Cusion. Il cassait les couilles à faire que ça sur CS.
c'est fini là. Il marche bien le serve, ouais, mais bon, ça serait bien que qu'il bug pas aussi. C'est bien d'avoir un gros serve, mais faudrait pas que ça plante trop. Oh putain. Le problème, c'est qu'on peut pas, on peut rien y faire. Hein. Et c'est pas... C'est Redem qui est pourri, quoi. Voilà, donc en fait, Stubbly, nous aime pas. Enfin, bref, c'est compliqué parce que... Ah, mais vous, vos guerriers mongols, venez avec chevaux, en criant, avec les sabres, tout ça. Ils t'ont dit, mais t'as des risques en paille de mongols. Ils vont venir avec les fusils, c'est les sabres. Ah, mon dieu. Ils t'ont hanté venir en Amérique, les Mongols, oh mon dieu. Bah non, t'es faux, hein, t'as pas fait un bateau. Oula. Oh. Mais t'es quoi, t'as battu? Chaisse. Ah, c'est peut-être un cheval qu'on a abattu. Petit chaisse, il faut s'arrêter, il va me saler dessous. Vous tapatez les chevaux, vous les bandez pas. En fait, des fois, on dit aux chevaux de pâter, mais quand ils veulent pas, et ben, soit on tient à côté, soit on tient dans le temps. J'ai envie de le lui, gratos. Bandez-les. Mais son perso, ah il ouais, est fait, quoi. Ah ouais, bon. De toute façon, un cheval qui oublie pas bien, c'est pas un bon cheval, il mérite pas de vivre. Bah, t'as têtu. On veut pas manger. Bah, après, si on peut le manger. Je veux manger de cheval, quoi. Nous sommes en train de t'investir. Oui. Bon, ce que je propose, si votre chef est pas là pour faire la promotion à Cathy Chinois, nous on le dégapit. Bon, fait pour vous, hein. On va quand même visiter. Il y a une frontière, la rivière qui est un peu plus haut au nord. Vous êtes sûrement passé par là, il y a même des bottes de foin. Oui, Mathieu, oui. Oui, bah alors... C'est donc... où ça? Bon, mes amis vont me guider. Hein. Bah, faites problème. Attention parce que, bon, dans le sens d'où vous êtes venu, ça va, nous, on est pas trop méchants, on demande juste ce que vous venez faire et tout. Par contre, dans l'autre sens, en plus, vous... Vu que dans quel sens les... Côté Valentine, où mais ils sont pas gentils, ils sont gentils ou quoi? Mais il y a Stubbly avant. Oh, bon, on a vu Péton à Valentine. On a vu Péton, mais Dieu Péton. Rodez, Valentine, pas une machine. Voilà, et Stubbly, c'est ah pas ouais? Vrai, bah, en fait, ils aiment pas tous ceux qui viennent de Blackwater, en gros. Oui, être comme Mongol. Vous savez que si vous passez et qu'il y en a qui sont à la frontière et qui vous allaient, faites attention. Parce d'accord, que, monsieur. Parce que vous n'êtes pas Blackwater, puis en plus, vous êtes des étrangers. Bah, pour eux, après, moi, je m'en fous, mais voilà. Ah, mais vous, adorateur de noir. Thomas, ah avec non, son tête de hérisson, à lui donner conseil, nous. Hein. Merci, gentil, t'inquiète. Oh. Qu'est-ce que c'est ça, les sons les... C'est un truc gentil. Ça, nous, on mange, c'est beaucoup un bon goût, hein, avec un oui, pic, ça dépique. Ah, le pic, pour on fait soupe, oui. Soupe d'hérisson, hein. C'est bon, ça. Ouais, oh. Mes cheveux, ils pattent dans tous les sens, c'est vrai, parce que moi, quand je me lève, ah, après, il est gentil, lui, on... Il a un côté attachant, c'est vrai, ce perso, hein. Ouais, enlever pic, hein, à touffler dans le cul, hein. Oui. Ah non, personne fait ça, moi j'ai pas, c'est pas des pics que j'ai, ça pique pas. Vous êtes tout, ça pique pas. Bah non, ça touché, c'est des cheveux quoi. Attends, lui avoir tête à faire dodo avec un raton laveur. Peut-être il y a les bêtes dans vos cheveux. Ah ouais, ça gratte un peu des fois, mais bon, c'est pas méchant. Ah mec, qu'a pas que you. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, y'a tout simplement. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai une fuck you, ça m'arrive souvent. Non, moi, amitié américa. Amitié américa. Amitié. Ma mère, je vous assure, ma maman. C'est bien les Amériques. C'est vrai? Oui. Bah, attendez, je vais. Comment. Bah. Excusez-moi, moi, beaucoup américa. America number one. C'est parce que à chaque fois, à cause de ma maman. America. Qui était amande, j'ai développé. Dans mon tête, maladie. Ah bon? C'est la faculté. Eh ben, mec, fuck you! Eh ben, channel number one, security dude! Amitié à vous aussi, comme vous faites. C'est bon, nous pouvons visiter votre ville, c'est bon? Ah bah allez-y, oui! T'es bien! Si vous tirez pas au lit, si vous faites pas de problème, y'a pas de problème! Ah, Ting Tao, Tolo, faut visiter. Allons-y! Mais qu'est-ce que t'es... Mon nom, monsieur Mexicain. Ah, des Mexicains voilà. C'est comme... C'est donc ça, les tapas. Salut, Mexicain. Ah, brutto, ça. Regardez-moi ces gros pâteaux. Regardez comment ils s'habillent. Tout marrant. Il y a un problème, monsieur. Eux boivent tequila. Non, pas de problème. Bandou, monsieur, bandou. Non, vous voulez vous dire, nous, à quartier chinois à Saint-Denis, vous bienvenue avec nos restos, notre famille, avec vous, Geisha, massage, si vous voulez venir. Bienvenue. On vous laisse avec eux. On est très bien ici. Ils sont bien faits, leur skin. Merci pour la fête bien classe.
D'accord, grâce à toi, allez, on va visiter, on va les laisser tranquilles, les poncho man. Ah, tu as bien dit, fils de pute. Faux. Ah, prenez cheval, la moule. Il est où, moule? Mon moule. Ah, mon moule. Attends, je vais prendre. Mon moule, pas aller bien, moi. De monter avec toi, mes champions. Kota, viens avec moi, Kota. Ouais, les gars. Rappelez-moi, les gars, de couper. Enfin, juste arrêter dans, peut-être dans une demi-heure. Ah, bah, et je vais passer à un autre type de contenu. Dès que j'aurai fini, j'aurai bien fait avancer. Je vais retourner peut-être à. Il fait la pause. Oh, ils ont une bulle. C'est beaucoup bien vu, ça. Mais beaucoup poussière. Beaucoup poussière. Ah, ça a piqué les yeux. Regarde ça, là. Ça veut dire que tu tues les gens, là. Ce n'est pas du bon travail. Ils tuent des gens, ici, en fait, non? Ah, américain devant. Il y a tout le temps des gens sur le serveur, c'est cool, ça. Il y a masse monde. Si des fois il y avait personne. C'est le plus gros du périph. Nous allons faire promotion quartier avec le chef. Allons voir s'il est là. Américain, américain. Ah bonjour, ah bonjour, ah bonjour, allez, bonjour. Nous, bonjour. Nous voulons savoir où est votre chef. Nous fait promotion, notre quartier. Nous venons à peine d'arriver dans le coin. Nous n'avons pas de chef, monsieur. Ah, le clochard. Mais le chef d'ici, de Backwater, Backwater. Ah, je ne connais point le chef du coin, monsieur. Toi, clochard. Nous vivons dans des campements actuellement. Ah, les clochards! Putain! Moi j'ai connu ça en Europe! Ça c'était manouche! De... c'est sale! Beaucoup sale! Ah, le voleur, il va voler les poules! Non, pas du tout, nous ne sommes pas des gens du voyage. Monsieur. Il encule Léonard! Ah, d'accord, lui pas du voyage, lui gentil peut-être! Pas voler, hein! Pas voler vous, hein! Non, monsieur, nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des violeurs! C'est mal de faire genre de traduire en chinois à tes collègues quand tu croises des mecs à qui tu parles. Bonne ah ouais, c'est pas, ça serait stylé, j'avoue. Bonne journée. Bon, là, il parle français, c'est dommage qu'on aurait dû faire depuis le début, j'avoue, ce serait trop marrant. Oh. Il y a la maison de Yembap à côté de Rode. Bon, on t'a l'en fait tout. Allez, galopons, on s'en fout. Champo, toi devenu vrai cowboy. J'essaie d'avoir un peu d'assurance, moi ah beaucoup là, souffert. Américain devant, américain. Bonjour, nous, China. Vous, famille, invitez-vous. Bonjour, monsieur. Nous voulons inviter vous à Saint-Denis. Nous avons quatre chinois. On fait pâté périlleux. Mais t'es pas, il y a des là-bas. Canal à quai, si vous voulez venir. Où ça? Ah, oh, américaine là-bas, il y a américaine. À Saint-Denis. À Saint-Denis. Vous êtes bienvenu, monsieur. Voilà. Ouais, pas de souci, merci, monsieur. Allez là-bas, y a, je crois américaine. Où ça? Là, à droite, cours, cours. Là, là. Ah, des oignons. C'est quoi ça comme race? On est chito. On est chito. Ça, c'est une race dormie comme les Mongols. Bon, dans nous, vous dans pas youth, Mongols, nous gentils, triangle. Nous chinois, nous pas manger bout, ça va ou quoi? Alito. Ah, merde. Vous, indien, c'est ça, vous? Ouais, eux, être mongol, mais américain. D'accord. Alito. Salut, mongol. Alors, nous avons Kati Chinois à Saint-Denis. Vous, bienvenue. Nous faire bière chinois. Tongtao, nous avoir resto chinois pour vous. Vous intéressez pour venir à bas Saint-Denis? Non, guerrier. Village Puyon, hier, avoir été humilié à Rhodes par. Vous, Indien, mais avoir beaucoup de pénis. Gros, t'es pas à Saint-Denis, hein. Nous, quartier chinois, nous, on est gentils, gentils. T'as de lui. Nous, fin de lit. Quel est ton nom? Non, guerrier. Moi, mon nom, c'est Michan Poa. Vous demandez Michan Poa. Qu'est-ce que le Michan Poa? Michan Poa, je suis chef au quartier chinois à Saint-Denis. Nous, faire promotion au quartier. L'Oxiwa, Kamasa, Izuwa. Mais, Tolo, Tolo, Palatinda, Toshia, Tolo, Pini, Shuwa. C'est quoi la langue qui parle? C'est fin là! C'est quelle langue ça? Mais c'est quoi cette langue? Je commence à avoir peur. Langue d'animaux! À quoi bon bah? Guerrier mongol! Attends, on va tenter de rentrer en communication avec eux. Attendez, on va voir ça. Papa canard, doudou. Ah, moudou. Papa canard. Ah, lui comprendre, il comprend.
cuit, cuit. Chut, pas moche. Faux. Bon, pas comprendre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous comprendre, mec. On vous donne rendez-vous à Saint-Denis. Vous bienvenue, vous gentil. Bienvenue, bienvenue. À plus tard. Merci. Cœur léger, vous aurez. Je comprends rien. Ils ont parlé un petit peu. Ils sont tous mignons, t'as vu. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Dans la ville, il y a tout là. C'est backwater, on peut y aller, on se casse. Nous allons à Rode. On n'a pas été à Rode faire promotion. Promotion, promotion pour China number one et Fandeli. Fandeli, Fandeli. Bien. On va à Rode, on va à la maison du gouverneur, bien lui montrer que nous on est pas des livreurs des PD. Ah, de prendre, devait faire dodo à paix de l'arbre. Tu vas aller faire dodo, coudin. Ouais, après, devait faire dodo, devait me réveiller à paix de l'arbre. Denir. Dago. Abonnir. Abandonner. 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 Oui, bon chinois. Il va où ce con? Je lui aurais bien mis une hache dans la gueule. China number one, take the lead, dude. China number one. Et puis, notre plan se passe comme prévu, t'as vu, il se doute de rien. C'est enculé. Oh, c'est ça, regarde, les gentils chinois, tout petit. Les Mexicains, les Indiens, les Américains, les Amants, tout, toute famille. On va violer. Le début du multiculturalisme. Ouais, bah après l'Amérique, ouais, c'est vrai que dans aujourd'hui, tu peux le voir avec le cosmopolite. Oula, cosmopolite. Une ville cosmopolite comme New York, là où il y a toutes les. Oh non, je vais pas mourir. Est-ce que c'est bien l'éclicisme ? Éclicisme ? Bah, t'es quoi, t'as ? Moi quoi, compliqué. Attendez. Ah, pas mon cheval. Vous conduire, toi tu conduis, Tao. Siffle ton cheval, encore plus simple. Son ima. Appelle cheval, en haut. Si ça peut contribuer à sa cause. Son ima. Y'a des gens qui parlent, y'a des gens qui parlent. Mais j'entends des voix, c'est quoi ça là? Bah t'es pas, y'a des dents en haut. Y'a des mecs là-bas. Oh là, regardez. Y'a un mec fusil qui vise sur moi. Ah, fuck you. Il nous déteint, mettez pas. Bougez plus, levez les mains. Nous gentils. Américain, c'est un guet-apens. Venez, approchez. D'accord, monsieur, d'accord. Talotina, toi. Faux, dada. Si vous cherchez avoir plein d'indiens américains. Nous gentils, nous gentils, nous chinois. Pas amitié, amitié américaine. Mais qu'est-ce que vous êtes arrivé là? Vous arrivez d'où? Mais Blackwater. C'est à nous de vous dire, vous qui êtes vous noirs. Non, nous venons de Valentin, monsieur. Ah oh non, il y a des noirs. Oh putain de merde, regarde les noirs. Des noirs. Ils sont libres. Comment c'est possible? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que cette satellite de laisser les noirs? Allez, tracez votre route, les Mérico. Hein. On y va. Retournez à Blackwater. Hein. Merci, monsieur Celtic. Fadeli. À nous, gentil. À nous, gentils, nous faire promotion quartier Saint-Denis, quartier chinois. Pourquoi nous, moi, on est chinois? Hop, tu parles trop, tais-toi. Saint-Denis. T'as l'antine, attention, loin, j'ai pas compris. Géro, t'es sourd, qu'est-ce que vous voulez faire à la frontière? Tu veux une balle dans le pied ou dans la bouche? C'est pour le comète, mais tu t'es pour le comète, Tidois. Vous alliez à Blackwater? Oui, pour le comète. Affaire. So, vous savez que le frontier elle est fermée, hein? Vous n'avez pas le droit de passer le Blackwater. On est dandy. Mais nous dandy, nous n'a rien fait. Pourquoi nous vous l'avez pris? S'il vous plaît, dis-nous. Silence. Silence. Jerry, venez voir. En plus, les Morico nous tirent dessus. Arrêtez. Excusez-moi, beaucoup d'Indiens américains à Blackwater, si ça vous intéresse. Et pourquoi vous êtes parti de là-bas? Vous voulez vivre ici? Non, monsieur. Non, nous sommes en route pour Rode. Nous faire promotion. Nous.
nous pas faire mal, nous gentil, nous faire un délire. Un à la fois, un à la fois. Ah non, mais attends, mais non. T'es mal, chef, c'est moi, Michoum Po. Alors, je vous explique. Écoute-nous, Michoum Po, là. D'où vous venez? Le seul endroit où tu vas aller, tu vas pas aller à Rhodes déjà. D'où vous venez? Tu vas aller dans le nord, là. Il y a une ville minière, et là-bas, il y a des potes à toi, là, des Chinois tout pareil. Comment ça? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre tes affaires. J'y vais ou pas? Tu vas tailler là-bas. D'où vous venez là comme ça? Mais pourquoi vous nous dites ce qu'on doit faire? Nous, gentil, nous on doit faire promotion à Saint-Denis, un côté chinois avec un restaurant, bar à pute chinoise. Bah, allez à Saint-Denis alors. Oui, monsieur, oui, monsieur. Pourquoi vous nous embrouillez? Vous arrivez à pied là? Pourquoi vous faites ça? Nous, on n'a rien pu. Nous, chinois, gentil. Monsieur, il y a quelqu'un là-bas. Sur la pleureuse. Eh, les chinois. Eh, tu fermes ta gueule deux minutes. Ah, pardon. Nous, on n'a rien pu. Nous, gentil. Non, mais ferme ta gueule, t'as la voix qui porte. Ouais, merde. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Nous sommes avec nos moules. Nous avons des moules. Bon, tu vas répondre à ma question ou je vais finir par encartoucher hein. Il a dit vous moule, monsieur, il a dit moule. Nous avons le moule. Okay. Le moule, écoute bien ce que je te dis. Débouche ton oreille. Tu vas pas me dire de déboucher mes oreilles, d'accord? Mettez pas, calmez-vous. Je commence à vraiment. Amérique, nous gentil. Et Amérique, nous pas t'étais bien. Nous t'étais comme noir. Nous pas noir. Attendez, tout le monde te calme. J'ai une proposition. Moi, okay. Sucer américain pour calmer les choses. Tu vas sucer personne. Parce que tu vas sucer lui, avoir lèvres douces. Petite lèvre de mignon chinois. Le bruit de sucer. Traverser le frontière, guys? Oui, voilà, Mathieu, oui, Mathieu. Un par un, pas tous en même temps. Peut-être le moyennant le petit dollar, je peux fermer les yeux, hein. S'il vous plaît, nous pas agents, nous laissez-nous. Attendez, vous qui êtes-vous déjà? Je suis le sœur Johnny Salty. Écoute-moi, monsieur Johnny Knoxville, rien à foutre. Ah merde. Mathieu, il peut payer un petit peu. Ah merde, ça a planté. Putain, bon, à chaque fois, c'est des moments les plus intéressants en RP qu'on se fait défoncer, qu'on se fait des pop, quoi. C'est casse-couille, ça. Je perds patience, les gars, je suis désolé. Hein. Merde, j'ai mis 5M alors que c'est Redem. Coupe sec, ouais, je sais, French Touch. Au pire, je relance tout à l'heure, les gars, hein, en after. Je fais l'after là, tout à l'heure, les gars, après, hein. Vous en faites pas, je continuerai le contenu, mais... ouais, bah d'ailleurs, quand vous... Profitez-en, les mecs, pour mieux référencer le live, s'il vous plaît, de mettre des pouces bleus. Ça serait bien, les gars, si, pendant que je change de serve. Et n'hésitez pas à follow, hein, ceux qui ne le font pas. Enfin, ceux qui ne le sont pas encore. Et tenez-vous à jour des lives. Donc, la notification, etc., c'est très important. Et puis, voilà, quoi. C'est ce qui fait... Ouais, en plus, c'est pas amusant des persos comme ça. J'aime bien Michel Pora. Alors Michel Pau, pour ceux qui, pour la petite anecdote, les gars, il n'était pas accepté du tout sur Twitch. J'avais reçu un DM d'un staff Twitch qui m'a clairement dit que si je continuais à le faire, ils allaient me ban. Parce qu'en gros, ils considéraient ça comme apparemment je visais une certaine communauté et que c'était du racisme, quoi. Voilà, comme quoi un chinois qui regardait ça pouvait être choqué, alors que... Mais enfin, allez, on va remercier quand même Caillou, les gars, se concentrer sur l'essentiel et sur YouTube et sur des personnes qui soutiennent la chaîne comme Caillou. Caillou 93, la meilleure Michel Bla. Ouais, en fait, sur Twitch, t'as pas le droit de faire des accents parce que ça peut être considéré comme du racisme. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, tu te fous d'eux. Voilà. C'est gentil, Riem. Je sais pas, après moi, les gars, j'ai jamais prétendu être bon en chinois, les gars. Je le fais comme ça parce que ça me fait rire et voilà, je le fais. Ok, c'est pas non plus le meilleur accent que j'ai fait. Mais c'est juste pour changer un peu, tu vois. Je fais un perso comme ça. Un pistolet. Mais pour le rendre plus réaliste, je sais que je dois encore bosser pas mal de trucs. Ils m'ont pris 30 dollars, monsieur. Je vais te donner 10 dollars. Bah, bon, que se passe-t-il là? Dépayé, monsieur Paul, dépayé. Calme-toi, mes shampoos, ils sont partis. Attends, ils reviennent, attention. D'accord, nous beaucoup bongo. Nous invitez-vous à Estonchina. Vous allez bien manger avec un canal à quai. Pas tel périlleux, c'est bon. Ou le te pantan, je peux covette.
Nous, on va développer ça. Merci, monsieur Tad. Merci, monsieur Tad. Si vous voulez aimer la spécialité aussi de mon village, Wuhan, nous faisons un prépuce grillé. C'est très bon, ça. Nous prendre prépuce après ce quotidien d'un enfant adolescent avec beaucoup de fromage, ça fait la crème. Et après, vous proposez à vous avec le concombre de mer. Toi, mais c'est un délice. Très bon, très bon. T'es bon goût, beaucoup bon goût. Bon, je crois qu'on les a convaincus. On peut aller reprendre notre quête vers Rhodes. De les dépayer, monsieur Paul. Bah, t'es bien, ça. Il a payé 30 dollars pour nous. Ouais, Bonnard, malheureusement. Putain, y a du monde là. Bon, j'appelle Momoul. Américain, super fort, vous les plus forts. Ah, mais c'est monsieur Sun. Ah non. Attendez, monsieur Sun. Attendez, comment se passe-t-il? Qu'est-ce qu'a fout cette femme-là? Alors, ah non, toi quand même, je chante pas. Ah, d'accord, c'est femelle américain. Oh, d'accord. Ouais, femelle okay, américaine. Ok, on y va alors. Bonjour madame, bonjour, vous jolie avec le tête, le cheveu. Oh, vous avoir les fesses bien cambrées. Bien cambrées, avec oui, beaucoup de douceur. Vous messieurs, chérie, vous canton. Vous avoir la chair, beaucoup bon goût. Salut. Comme asiatique, toute plate. Allez, en bon plus tard, madame. Côté, elle est trop jolie, elle, enfin, avec son tête. Comme d'habitude, mais cela, j'ai bien envie de ferme, ferme ta gueule, vas-y casse-toi. Elle a dit j'ai bien envie de les goumer. Vas-y, casse-toi, dégage, on va te fumer en RP. On va pas te laisser respirer, je te le dis. On a encore failli, mes champions. On les a feintés, ces fils de pur. Bien sûr. Allez, direction Rhodes, on va porter nos couilles, nos petites couilles. Attendez les mecs. Non, je vous assure, les gars, c'est pas des conneries. Si vous voulez, je vous montrerai le DM en question qui m'empêchait de faire mon RP Michampo. C'est pour ça que j'ai dû le tuer prématurément à l'époque. On aurait pu créer bagarre et retourner Blackwater et dire ouais, il y a les mecs là-bas et aux raquettes. Attends, t'as une idée? Propose. Qu'est-ce qu'on fait? On aurait pu retourner à Blackwater et dire aux autres, il y a des gens, ils attendent ils frontières. Ont pas dit, ouais, c'est vrai, ouais, non, d'accord. On peut pas passer. Mais attends, j'ai laissé le chemin, on peut contourner. Go contour, continue. Non, c'est oui. Seul le chemin, je crois. On peut contourner ou pas les gars, balancer sur rivière. C'est pas con ça. Donc on est ah oui, c'est un petit chemin, on peut trouver à côté, comme ça peut venir autre. Après la bagarre, ils s'entretuent, nous après on fouille le corps pour gagner des armes et argent. Ou alors ils vont nous payer pour les informations. Comme des vautours. Nous vautours. Qu'est-ce qu'on fait les mecs? Je réfléchis. Mais après ça fait, on va repasser ici, si nous retrouvent, on sera ouais, c'est pas... Ouais, vaut mieux partir, on va à route. D'accord. On fera ça peut-être une prochaine fois. Ouais, on va faire ça la prochaine fois. On y va. Alors autant Eddie Larouille, les gars, comment dire. C'était un personnage que j'avais... Champo, toi répète à personne de proposer sucer américain. Non, ça c'est plaisir, pas à pas. Ça c'est merci. Beaucoup bon goût avec le zizi. T'es bien. On va avoir un gros capuchon. Ouais, autant je devais avoir à la fin d'un RP, parce que je gueulais tout... Enfin, je gueulais. J'avais la voix rauque qui parle comme ça, tu vois. Donc au bout de 3 heures, oui, ça tire un peu. Mais là, bon, ça va un peu mieux, je trouve. Mais des fois, comme il part dans des envolées lyriques de chinois, c'est pas évident. Go les balancer. Ouais, mais bon, enfin... Enfin bref. Celui qui sait pas rire de lui n'est pas à prendre en considération. Ouais, on peut plus rien faire sur Twitch. Ouais, enfin si, tu peux faire des choses, mais... Il y a certaines choses, il casse les couilles Twitch, vraiment. C'est dommage, quoi. C'est plus comme il y a 3-4 ans. En fait, c'est à partir de... Encore 2016, c'était vraiment bien. Quand j'ai commencé 2014, 2015, 2016, c'était vraiment stylé. Mon premier ban, il est arrivé en 2017. Et 2018, c'était la fin des fins, quoi. C'était déjà... Mais là, j'ai l'impression que même cette année, ça s'est encore empiré. Les streamers, ouais, ils osent plus, quoi. Donc, ça panique facilement. Hein. Ça se chie un peu dessus, quoi. Parce qu'ils ont le ban facile pour des conneries, quoi.
C'est triste parce qu'il y a tellement de choses à faire dans le RP notamment, et même dans des dans l'humour en général, enfin même quand t'as la manière d'animer, etc. C'est envie de faire une blague. Là, au moment, il nous disait la dernière fois quand il était venu sur la Youth TV, d'ailleurs il y a quelques jours, il disait voilà, il osait plus faire des blagues quoi. Donc tu vois que ça déteint quand même. Merci French Todd d'être passé, bonne nuit à toi. Non, Mira, là, ça va surtout me servir à amener des gens de Twitch ici, quoi. Je pense. Ouais, parce que par exemple, un blanc, il pourrait s'insurger en disant mais regardez, ce mec-là, je trouve ça super con. Il dit ouais, mais regardez, il a trop l'accent blanc, il nous caricature. Tu vois ? Quand je fais un John Lacy ou je sais pas, je pourrais prendre un perso qui, tu vois, il pourrait dire ouais, c'est du racisme. je sais pas, je trouve ça super nul quoi. Parce qu'au final, ça, tu vois, enfin, je sais pas, même à la télé, on en retrouve beaucoup des mecs qui imitent, qui font l'accent, ok, avec plus ou moins de réussite et plus ou moins de finesse. Mais bon, on s'en fout, les gars, y a rien de raciste quoi. Si le mec se dit pas, ouais, qu'est-ce qu'il tourne ? S'il s'amuse pas à faire ça H24 en faisant dit-il les Chinois, Dali. Non, là, oui, là, ça serait. Là, tu vois, là, tu te fous de la gueule, là, tu fais n'importe quoi. Là, clairement, c'est comme le mec, des fois que je vois des mecs qui veulent troll pour faire les racistes sur internet en disant tu veux manger des bananes, en disant que ça, quoi, H24. Ouais, genre, ou disant le noir c'est un singe. Tu vois, en faisant que ça, tu vois, là, oui, je suis d'accord, là, c'est n'importe quoi, c'est de la merde. La grosse merde. J'espère que nous allons croiser le gouverneur. Call Yang Zheng. Un gouverneur pas beaucoup sympa lui. Lui quand on travaille, il m'a dit lui pas payé comme américain, nous payer pas bien. 20% salaire américain en blanc. Il n'y a pas de qualité. Exactement, les fous. Tiens, t'es mâche par contre. Go Tewal Yasu, les mecs, mettez-lui 5 minutes quand même, faut pas non plus déconner. Ou supprimer son message, c'est trop gros là, ça me brise le cerveau. Américain, c'est quoi au-dessus de nous, hein, sous prétexte que eux avoir gros pénis. Les bâtards. C'est une entreprise privée, c'est ça, mais après, y a des gens qui ne comprennent pas, moi c'est bon, j'ai mis du temps à le comprendre. Mais en fait, Twitch, comme c'est une entreprise privée, mais un jour, je pense, ça changera. Un jour, il y aura des droits, tu vois. En France, tu pourras pas te permettre de. Si vraiment. Il y a un vrai statut de streamer fait avec des vraies lois qui te protègent, des vrais droits, etc. Où tu peux pas te permettre de bannir un mec, c'est son taf. Un jour peut-être ça changera les gars, qui sait. Moi je m'étais fait interviewer par une personne qui fait des études et là-dedans. Est-ce que Twitch peut se permettre de faire ce qu'ils veulent, tu vois, dans des cas comme ça, sur les gens bannis. Et au final oui, parce que eux c'est leur site, c'est un site privé. Si du jour au lendemain ils disent ouais là ok on va interdire tous les noirs ou tous les juifs ou tous les tu vois, ils vont cibler. Bah eux ils ont pas le droit de streamer, bon ils feront jamais, enfin non, là je suis dans l'extrême. Mais je veux dire ils font ce qu'ils veulent, c'est juste pour dire qu'ils font ce qu'ils veulent. S'ils décident ouais bon toi je te banne, vas-y je te banne, je m'en bats les couilles. Ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Non, il n'y a pas de syndic de streamer, mais peut-être qu'un jour ça viendra, les gars. On sera un peu plus protégés. Peut-être, je sais pas si aux États-Unis ça existe, si on peut se permettre de bannir. Parce que là, tu vois, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ils sont même pas embêtés, parce que tu vois, même si je prends quelqu'un, un avocat ou un droit, je vais me plaindre en disant ouais, ils m'ont banni, c'était pas justifié. Ils m'ont banni définitivement de leur plateforme alors que c'était mon travail. Tu vois, qu'est-ce qu'ils vont me faire, la police? Ils vont dire bah non, ok, bah c'est leur site, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Nous presque arrivés, hein. Oui. Oui. L'exemple de cette campagne, non, je pense pas. Non, s'ils font ça, c'est vraiment la. Que toi faire, je sais qu'il y a. Bon, ça va, vous êtes gentils avec moi, les gars, mais il y a beaucoup de gens qui me détestaient sur Twitch. Ils diront, ouais, bon, lui, c'est mérité, il a plus rien à faire sur la plateforme, et c'est pas un contenu qu'on devrait voir sur Twitch, tu vois. Et les gens vont pas s'élever pour me défendre, tu vois, en disant, voilà. Ah, tu as les barres têtes. Ouais, Ryuz. Ah, bien sûr. Oh putain, il a une lâche, lui.
Ah, fais attention, il dit que se passe-t-il là? Pourquoi t'as arrêté ici, hein, Mishambo? T'es pas ici. Ah, t'es pas ici, là? Ah, non. Non. Merde, j'ai fait le con, hein, toi. Ah, merde, j'ai mis de lumière. Ah, t'es pas... C'est juste à côté, tu dis t'as côté, ok, je te suis, là. Je te suis, là. Bah, attends, je conduis ta mule. Bah, allez, tu conduis, conduis mon mule, Luta. C'est Luta. Mon mule s'appelle Luta. Luta. Ah, lui appelé Luta. Luta. Ah, très joli prénom. Oh, regarde, on dirait un guerrier mongol avec ma machette. Comme ils font, oui, pour GMT à l'époque. Mais GMT s'est pas fait des bannes, putain. Voilà, nous arrivons au Odessa. Américain? Non, pas américain. Ah, bonsoir, américain. Bonsoir, ça. T'es loin, tu l'as. Oui. Ah, mais t'es lui de tout à l'heure, monsieur Faux. T'es qui, ce fumier? T'es lui de la bagarre, t'es lui de la bagarre. Oui, oui, tu vas redire que t'es mou, là. Non, m'a confondre. Désolé, monsieur. Bonjour, salut. Vous voulez faire l'amour à ma femme? Bah, fais massage. C'est vrai, vous inquiétez pas. Ah, vous êtes super américain, grosse forme. Un cheval, Que voulez-vous? Vous êtes le plus fort, monsieur, vous êtes le plus fort. Ah, nous, on va parler au gouverneur. Monsieur Leblanc? Oui. Ah bah, je l'attends aussi, je sais pas où il est. Très bien, nous attendons avec vous, beaucoup, bon goût, ici, la femme. Monsieur américain, je peux vous dire quelque chose? Oui. Vous, avoir gros pénis, bravo. Ah, pourquoi, m'a demandé, pourquoi américain comme vous, boit bien pénis, bien le pogo? Pogo. Un peu gros pénis? Non, c'est petit, mais costaud, hein. Mais vous, pourquoi c'est gros? Ah, je sais pas du tout. Américain, toi connais un bouchon vapeur? Je sais pas ce qu'il a avec son bouchon vapeur. Et pourquoi? Ah bah, mon pénis, bouchon vapeur. Ou l'eau de printemps. Attendez, je vais calmer Le Pen et je reviens. Le Pen. Comment ça s'appelle ce cheval? Le Père. Le Père. Le Père. Le Père. Le Père. T'es con, Carados. Américain. C'est un troll, mais il est bien fait. Il a dit. Toi, c'est dommage, femmes. L'humour approche. Oui, par exemple, je suis d'extrême droite et très raciste. Mais par le biais de l'humour, femmes, je regarde tes streams. Des mecs, des petites, des plus grandes. Si ça se trouve, il est vraiment. Faut tout happy ending, toi intéressé. Non, c'est Raz, ma femme. Ah, merci, Smith, c'est gentil, garçons, c'est très gentil. Je sais pas si j'en ai. Enfin, je ne suis pas un marchouin. Ah, d'accord. Enfin, si, je pense en avoir de l'humour, mais. Quoi? Un marchouin. Ah bah toi. Un marchand, oui, c'est son voulu. Si vous le rencontrez un jour et il vous dira bah je m'appelle marchand, vous comprendrez qu'il est le petit garçon. Ah d'accord. Ah les petits bouchons vapeur, ah c'est pour ça. Telegram check clear de rue reuse. Ouais mais quoi? Ah il nous a abandonné. Non on peut peut-être aller au Talud. Il y a beaucoup de monde. Parlez pas, il y a un américain tout seul. Je le plante. Bah. Fou. Oh Bah, qu'est-ce que t'as fait? Mais. Ah là, américain, mais c'est comme ça que fait ça de la bonne viande de ta cour. C'est comme t'as fini, américain. C'est comme quand ça, pas derrière. Tout isolé, pas derrière, tout seul. Voilà, y'a personne qui est en vue. Oh my Buddha! Ah, qu'il me parfait. Alors, déjà un américain, moi. Je suis cruel, t'es cruel, mais j'aime bien beaucoup ta méthode, Tao. Ça me rappelle quand on est petit, tu t'appelles Tao quand on jouait à jeu d'enfant. Oui, bien sûr. C'était trop mignon, un de tastolaire. Après, on faisait fait mal aux autres. Avec le bille, aussi le bille chinois. Bille dans la tête. Attends, on va aller vers le bureau du chéri, peut-être il y aura des. On faisait mal à beaucoup à personne. On doit aller voir ça me choque limite ce genre de scène. Ah ouais, te tuer un blanc par derrière. Ah, du cirque. Doucement, les chemins. Oui. Il faut trouver un monsieur Gwena. Monsieur quoi? Le Squid Game. Je lui demande.
Tu te rappelles quand on jouait beaucoup au Squid, Squid Game, c'était bon ça. Oui. Avec attaque et défense, c'était bon ça. Tu te rappelles quand on allait dans les bars le soir et que les femmes elles faisaient sortir des trucs du voisin. C'était trop drôle, des bons délires. Ah, oh, il y a des monde. Beaucoup de monde qui ont à l'autre, beaucoup de monde. Ah, saloon. Allons-y, nous allons pouvoir faire notre pub. Tiens, tiens. Allons-y, allons-y. Ah, t'es pas américain, ça, non? Indien. Tout à l'heure, tout à l'heure. Ah, bonjour, Indien. Bon, toi, bon, toi, bon, nous. Amitié à vous, aborigène. Amitié. Vous allez bien? Ah, nous tout super, bien, nous super. N'oubliez pas passer Saint-Denis, hein, si vous voulez. Ouais, tu voulais ma peur, avec, tout, aliment, tout. Restaurant, restaurant. Nous, pas être bienvenus, Saint-Denis. Ah, dommage, mais nous, parce que nous, avoir des femmes pas chères. Nous, vous acceptez femmes pas chères pour vous avec vos zizi. Ça doit être joli avec vos zizi blancs, bleus, marron, tout. Tout, tout. Avoir gland, quelle couleur? Oui, t'as une question qui est tulipine. Vous avoir capuchon, tout bouille le tige. Toi, demander à Arbre qui fait ça. Hein. Avoir la capuche au bout de la, au bout de du machin. Moi, pas comprendre. Moi, pas comprendre non plus. Toi, vouloir que je nettoie les boules de ton cheval? Non. Bon, on les laisse, on les laisse tranquille. Allez, on se casse, nous. Au revoir, Indien. Mmh. Au revoir. Guerrier mongol. Ouais. Deux balles de vol. Tu crois avoir une femme américaine? Arrête de te vanter d'avoir la bourse. Moi aussi, je le faisais quand j'étais pige, Yasuo. Et en plus, moi, j'étais échelon 7. J'étais Ouned. Ou 5, je sais plus c'était lequel. En tout cas, j'étais échelon max. Oh, y'a pas un rat. Peut-être tout, t'es américain. Ah, oh, bonsoir, avoir quelqu'un d'en bas. Il est tout seul. Attends, je m'en charge. Ah, bonjour. Ah, ça va? Vous voulez boire un verre? How do you do, sir? Ah, it's good. America. America, je parle de toi. Mais que pour, que vous faites? Merde. Avoir témoin. Il y a témoin qui est parti courant. Regarde, je vais jeter corps. Pardon, excuse-moi. Mais toi, tu te mets devant. T'es à tout, la terre. T'es bon, la personne qui a vu. Oui, t'as pas t'as pleuré, t'as... toi chinois, toi fier. Pourquoi t'as pleuré, chouchotte de guerre, on va t'appeler chouchotte de guerre. T'as fait mal. Arrête de pleurer, il y a des personnes qui vont arriver, ils vont dire il y a problème. Arrête de pleurer. Bon, on a passé une année à faire promotion. On va voir les messieurs là-bas. Et on va faire la promotion à Ponto dans Saint-Denis. Ok? D'accord. Merci Zayden, merci encore hein, pour ce que t'as fait tout à l'heure, mon petit Zayden. T'as GG. Ah bon, ça, bonjour, tu l'as ici, oh. Bonsoir. Tiens, bon tabac, il est où, gouverneur? Je dois parler lui. Quoi? Gouverneur! Ouais. On partira en after, ouais, Nerzou, t'inquiète, tu me fileras les comptes. Eh, hey, monsieur, vous savez où est-ce que je peux trouver de l'eau? Ah, mais lui, complètement trisomique. Attends, c'est Grégouze? Ah, nous, on va pas avoir eau, si toi, avoir eau, nous, on a peut-être liquide jaune pour toi. Exactement, ouais. Non, je cherche de l'eau pour remplir une gourde. Liquide jaune, hein, super bon, hein. Attends, c'est qui lui? Bon pour santé, hein. C'est Grégouze? Mathieu Pop a dit le terrible derrière nous. Ok, comment on va pouvoir parler les choses sérieuses? T'es fait la droite, Tina, oh, je vois, finition. Tu veux t'abattre? Pas notre langue. Excusez-moi, monsieur. Américain, toi, super bon, balèze, gros pénis. Écoute-moi,
Écoute-moi, Américain. Attention avec le chat, attention, bordel de merde. Je vous parle. Moi, je m'appelle Mission Po, je suis membre de la carte de Chine. Ici, c'est moi qui dirige le quartier chinois. Je veux absolument des excuses de la part du gouverneur. Vous avez une gourde? Des excuses pour quoi? Nous, pas avoir le statut égalité. Derrière la banque. Nous, pas bien payé. Nous, qu'on travaille, pas payé comme Américains. Égalité! T'entends, elle embrouille. Il a quoi de drôle? Qu'est-ce qu'il a dit? Égalité, il m'a dit le... Oui, dans le salaire. Pourquoi nous payer 20%? Eh bon? Mais toi, pas être Américain, toi. Si. Ah, pardon, c'est parti tout seul. C'est parti tout seul, j'étais énervé. Je dis quoi, les gars? Ah ouais, mais pas de moi. C'est lui que tu me parlais tout à l'heure, l'embrouille, là, qui t'avait cassé les couilles tout à l'heure, là. Oui, c'est lui. Ah, mais ça, c'est histoire ancienne. Nous, maintenant, nous gentils, nous voulons avoir un nouveau statut, parce que nous occupez, vous, vos ventes, bien manger à Saint-Denis. Restaurant très bon, beaucoup avec nos femmes. Eh ben, je pense que la seule utilité qu'ont les Chinois à l'heure actuelle, c'est l'armurerie. Nous avons tout. Non, on a salon massage. On a salon massage avec femmes qui font pénition happy ending. Vous allez beaucoup aimer. Et où travaillez où exactement? Ah, le quartier chinois, à côté du docteur. T'as dit. Est-ce que moi je connais l'arburée là-haut, c'est tout quoi. Là, il y a la petite église. Il y a salon massage avec happy ending. Vous, avec votre tête, vous allez être beaucoup avec le Zidia. Zizi, on va s'occuper. Vous venez au restaurant, en plus c'est le bar. Mais attendez, c'est salon massage, vous videz les couilles. Non, nous faisons travailler nos femmes. Nous, c'est faire plaisir. Je suis pas encore sodomite, j'ai eu peur. Mylène, ma femme, tu viens sucer bite. Mylène, bonne baise, oui. Allez, ça coûte combien là vos prestations? Pas terre. Vous passez, on va vous faire pas cher. Ah, ça peut être intéressant, ça, en fin de journée. Vous faites passer message à tout. Mais par contre, nous, vous voulez travailler aussi avec un contrat de muraille. Vous voulez faire. Nous, vous faire muraille de Chine pour empêcher les Mexicains. Muraille de Chine, mais on n'est pas en Chine. Oui, mais muraille de Chine, Amérique, muraille de Chinois, muraille de Chinois. On va faire ça, comme ça, les Mexicains, ils dégagent. Ils vont pas monter en paille de Mongols. Ils dégagent. C'est dommage qu'on n'en ait pas assez parce qu'on pourrait faire une muraille de Chinois en les empilant les uns sur les autres, effectivement. Commencez pas à m'insulter dans vos langues là. Bon, apprendre à respecter, nous gentils avec vous. Ouais, tu dois pas me dire ce que je dois faire, toi. Doudanti. Lin Heng Gao Liang. Putain, mais il me casse les couilles, je comprends rien. Écoute-moi, en blanc. Toi, appelé gouverneur, vous voulez aller faire une nouvelle réforme pour China. Nous accepter comme vous acceptez blanc. Nous blancs comme vous. Blanc, ouais. On dirait que t'as chopé une petite jaunisse quand même, hein. T'as dit quoi, monsieur? T'entends pas, toi? Nous, être tonde. Ouais, pas tout à fait, quoi. Mais bon, on va dire que ça tend un peu vers jaune, effectivement. Ouais. Faux! Ouais, le gouverneur, écoute, le gouverneur, je crois qu'il est censé arriver dans pas trop longtemps, mais je suis pas sûr qu'il va vouloir parler. Je pourrais pas attendre. Ah, bon, c'est pas grave. Nous repasserons demain. C'est pas grave. Spy. Si vous venez en aide, on fait prix pour Happy Ending. Ma femme, j'y sais encore plus. Non, mais dans Alpha, je regardais juste là-haut. Vas-y, dis-moi le prix. Hein. Peut-être que je fais passer tout à l'heure. Hein. D'habitude, ma femme, si c'est pour 5$, 2,50$. Est-ce que vous êtes le shérif de Rollès? Ouais, effectivement, ouais. Alors bonjour monsieur, on s'est rencontré hier, je pense. Ah, mais lui, coupez pas. Oui, attendez, je vais finir avec. Bah, tu sais quoi, l'embrouille, je te laisse t'occuper du monsieur, bah, je vais finir avec les. Bah, vous la terminez avec vous, monsieur, beaucoup. Ouais, viens voir. Après, à vous de choisir, il y a ma femme Maïline, il y a la femme de. Vous avez ma femme? Non, moi, avoir juste des putes un peu dans tous les bars, ouais. Ah oui, d'accord. Très bien. De toute façon, nous garder ça en sécurité. Pas donner information. Ouais, attention de ne pas leur faire des enfants, hein, sinon ça fait des filles de pure. Ah bah ouais, faire un enfant à une chinoise, ouais, ça serait pas bienvenu, effectivement. Vous en faites pas, on va protéger ça avec. Vous connaissez Pâté Périot et Roulet de Pantin, hein. Nous faire une sorte de moyen de contraception, hein, pour pas avoir le jizz. Vous connaissez le jizz? Ouais, je sais que c'est le jizz, mais c'est quoi ton moyen de contraception, c'est quoi? On va faire méthode, on va tourner la feuille de riz autour de Pénia. Comme ça, t'as pas tout le jizz. Et vous allez pas enfanter, c'est bon? Ouais, bah attends, et oh, c'est pas toi qui vas faire ça avec tes petites mains, là? Non, c'est Miley, non. C'est Miley, bonne baise.
ça peut être intéressant, ça fait. Elle fait boum boum super. Comme ça, vous allez bouiner comme vous voulez, tout matin, matin, midi, tard, tout, la femme. Elle love you long time. Hein. Vous gardez le même au printemps dans les zizi. Tout ça marche bien. Elles sont si endurantes que ça, les chinoises. Oui, mais bien oui. Même avec vos gros bédis. Elle adore, love you long time. Ah, parce que moi, asiatique, j'ai déjà fait, mais alors j'ai pas eu de chance. Hein. C'était une thaïlandaise, mais t'es tout nu, c'était un thaïlandais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, très mauvaise qualité. Ah, t'es mauvaise qualité avec un bout de boulet, chat. Ouais, ce qu'ils appellent les femmes sirènes, des femmes à queue. C'est ça. Ah, mais ça, c'est un tatouiste. Ah, non, on n'a pas ta double tue. Non, non, on n'a pas ça. Soit on coupe direct, comme ça, pas le queue. Nous, le seul problème avec nos femmes, c'est plus égale, genre sentir bœuf séché dans la bouche. C'est ça le problème, c'est tout. Hein. D'accord, vous êtes un monsieur à shérif, comme ça j'ai pas note. Shérif Rick Brown. Rick Brown, là, bon, c'est noté. Bon, c'est bon, on a fait la promotion, hein. On a fait la pub, et n'hésitez pas de parler à nos salons de massage, à tout le monde ici. Ouais, une fois que j'aurai testé, écoutez, la qualité est bonne, et ben j'en ferai une bonne pub, D'accord. Ah, peut-être qu'il pourrait vous tester le Gloyol, le Gloyol. C'est quoi, on va monter la tour de gloire, c'était bon ça. On a fait ça, expérience, c'est bon. Mais nous, ça, le problème avec nous, ça rentre pas, c'est tout petit. Ça mais sort ça rentre, pas de l'autre côté. Ça sort pas. Ah, mais chaud, hein. Ça, on en avait un à la ferme de la Rédemption. C'est bon délire ça, c'est très bien. Très bien. Ouais, ouais, mais nous, on coupait les sgecs. Pardon nous, juste un plaisir. Oui. À bouche. Ah, mais attends, le problème, c'est que si tu vois pas, qui dit que c'est pas un homme derrière. Mais non, on n'est pas pédé. On l'a déjà testé. Nous, c'est pas pédé, nous. C'est gentil. Pas pédé. Après, nous, frère. Non, mais nous, frère, avec d'alcool, avec une femme tout nue au fond, après. T'entends ça, l'embrouille? Ils ont des femmes à poil qui te font des finitions, apparemment. T'as le gland qui reluit. Ah oui? Oui, c'est talent de matage. C'est gentil. Pas de qualité. Je suis marié, donc ça ne marche pas. Ah, je peux vous promettre, vos glands après, c'est un miroir. Ça ne dérange pas, monsieur, votre gland, on va faire comme un traitement céramique. C'est la même chose. On peut voir votre gland. C'est pas trompé, traitement céramique sur bite, c'est pas trompé, je vous dis. On peut faire aussi un covering, ça vous va? Je sais pas. Bon. C'est bizarre. Mais alors, il faut taper dedans, bordel de merde. L'embrouille, t'as l'impression que sa femme l'a fait le coquette. Laissez tomber, t'es pas dit, regardez mal, c'est gros pâteau. C'est un shérif quand même, vous moquez pas d'un shérif. D'accord, pas moqué, gentil nous. Bon, nous on devait aller, on doit rentrer chez nous fatiguer, tout balader partout, faire pub. Fatigué. Allez-y. Merci, on dispose. Allez, viens, ciao. Allez, à bientôt dans votre salon, messieurs. Ciao. Merci, ciao. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve, les macaques. Appelez-nous macaques. C'est pas grave, il y a bien que... Bon, je tombe pas fini. Vous pouvez me rendre votre tapot. T'étais en train de venir, c'était gentil. On y va. Merci, monsieur Paul. C'est à côté, de toute façon. On va retourner dans notre quartier au moins, se sentir à mort. Moi, j'en ai marre, les Américains. Fuck you! On se casse! Je sais pas, l'embrouille, il a un micro de merde, mais bon, c'est pas grave. Il y a pas que lui, hein, non, si on le serve. J'ai l'impression que. Enfin, si vraiment on veut. J'ai envie de tuer Américain. Je sais, mais garde ton mal impatient. On va trouver à Saint-Denis, Américain isolé, on va tirer. Et comme ça, on va en faire de la bonne viande dans ta cou. Dans ta cou, ça va être très drôle. Nous manger tout, chien, chat, tout. On va mettre dans variété vapeur. Il est en égo contre toi, je pense, je ne sais pas. Ah, le petit lapin. Ouais, je sais pas. Après, il sait que c'est moi qui stream, donc c'est dommage qu'il... Ah, il part en égo assez rapidement. Je suis d'accord. Je pense qu'il m'a reconnu parce qu'il a lavé la haine contre Easy La Rouille. Ouais. Enfin sur la fin, après au début ça allait. Il faut le mettre dans ta poche. Ouais, bon après. Bon, je suis préféré le shérif que l'embrouille. Hein. Mais je sais pas si on sait. En fait, il y a combien de personnes? Je sais pas si c'est une heure de grande écoute pour voir si on a bien fait parler de nous. Ça serait le plus important, c'est de se faire voir et vraiment d'y jouer régulièrement. Comme ça, ils sauront qu'il y a des Chinois qui sont en train de prendre du galon.
dans le comté, et plus on sera nombreux, mieux ce sera, quoi. De toute façon, les Chinois... Ah merde, j'allais dire un truc... Ah, bref, c'est chapeau, super bien allé à toi, mes champos. Merci, c'est gentil, beaucoup. Toi, gardé. M'a beaucoup gardé, c'est gentil. Gentil, compliment, gentil. Ouais, ouais, ça peut être ça aussi, ouais. Oh putain. Ah, ça m'énerve. On a eu combien de plantages, d'ailleurs, vous avez compté? Putain, c'est un peu trop, là. On n'avait pas eu autant la dernière fois. Je suis en live, là, ou pas? Oui, mais laisse-la, Yelena, elle est gentille, hein. Enfin, il est gentil, Lida. Elle a vu le stream, elle a grave kiffé. C'est vraiment, on s'entend bien avec. Il y a des gens avec Lovo sur. Et franchement, de premier abord, on n'aurait jamais pensé ça d'elle, mais finalement, elle nous aime bien. Ouais, j'ai crash, il faut que tu reviennes, gros. De toute façon, là, je fais la fin, Hurricane, t'inquiète. J'envoie un petit générique. Je fais la fin de RP, là. Je vais juste rentrer dans mon quartier. Je vais essayer de trouver un. Viens, on trouve un endroit là où on peut se poser et dormir. J'étais sur le... Robin, est-ce que c'est une info pour troll ou tu dis vrai? Parce que ça... ça, c'est très courant dans le monde du chatting, dans le RP, des mecs qui balancent des infos genre « Ouais, ouais, il est sur ton live, il stalk, on l'a entendu en fond. » Il est en train de me dire, Robin, dans le chat, « J'étais sur le live de l'embrouille avec les confédérés, on entendait bien ton live sur le sien, il a bel et bien stalk en cavale. » Mais quel intérêt de faire du RP? Mais c'est impossible, en fait. Mais moi, je sais pas. Je saurais jamais faire du RP, je trouve ça inutile. C'est inutile. Je sais pas, mais même de mettre un deuxième écran pour stalker, je sais pas, ça me nique mon RP déjà. Oh là là. Qu'est-ce qu'on fait, scène de fin maintenant? Putain, mais non, j'ai pas envie, J'ai envie que ce soit bien, quoi. J'ai envie que ce soit bien. Bah, tu m'enverras sans DM, on verra vite faf, mais. Mais c'est pas grave, gros, ça change rien. Peut-être qu'il apprend, hein, il apprend à faire du RP, il veut s'inspirer, c'est tout, les gars, c'est pas un problème. Ouais, moi aussi, j'ai recrash, là, je réessaye, et... Vas-y, une dernière fois, et après... Tente une dernière fois, Hurricane. C'est un mec du stream, ça a deux saisons, je sais plus qui c'est, j'avais son pseudo en tête il y a quelques temps, mais je sais plus c'est qui, je crois que c'est un abo. Attendez... Et elle a regardé la série Squid Game, c'est pas mal finalement. Il me faut d'autres séries de ce type là. On m'avait conseillé Alice, mais faut que je commence aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de commencer aujourd'hui, oui. Enfin, mais à petite dose, après je commence à Bandax. Non, mais ça sert à rien d'y aller maintenant, vu qu'elle nous connaît. Elle est en mode tranquille, elle nous parle en mode posé. Donc ça sert à rien d'aller la troll ou quoi que ce soit. Enfin, le troll. Parce que des fois, je comprends pas. Parce que Yelena, des fois, elle est en mode overfill. Et des fois, il enlève tout. Elle enlève tout et du coup, c'est vraiment un garçon, quoi. Merde. Ah, là-dessus. Non, mais on s'en fout, ça sert à rien, c'est pas grand-chose, toi, t'as des visages. Oh, ah champagne. Nous sommes enfin arrivés dans notre ville. Il faut attendre dans le quartier. Guide-moi. Ah, c'est parti, monte. Monte. Il faut pas monter. Manta, t'as l'eau, hein? Chou! T'inquiète pas que si je croise un mec,
Si je croise un... Monte avec moi sur le menu B12. Hein. Je suis en bas l'américain tout ça là. N'oublie pas la consigne. Bite-la. Oh, bien sûr. Putain, mais cette salle de spectacle, les mecs, pour faire des CDRP, c'est juste incroyable, quoi. Je pourrais passer la journée à faire du RP dedans, en fait. Et limite, faire une pièce de théâtre et la jouer, quoi. Non, là, y a pas de noir à buter en solo. Attends, il est tout seul, attends. Arrête-toi. Vas-y, pute-le, méchant beau. Personne ? Y'a personne ? Non, y'a personne. Attends, je vais y aller en cowboy. Putain, on se casse. Monte. Pile pur. Oh, regarde, américaine pour toi, toute seule. Elle fait shopping. Vas-y, c'est pour toi. C'est pour moi. Dans le dos, c'est signé. Bonjour, madame, vous voulez acheter la montre? Le pendule? Ça c'est mon pendule, vous pouvez acheter, c'est moi qui fais la pub, tu vois? Sauve. Ah, oh, c'est chaud. J'ai un peu galéré. Ouais, Adé sur Discord si quelqu'un veut bien diffuser, mais normalement, oui, on accepte bien sûr. Mais il faut que tu montres que t'as. Super beau. Faut juste que tu montres au diffuseur la preuve que t'as tes sub Twitch, et normalement, on te laisse, t'inquiète, il te laisse l'accès au live. Bezmire. Ah, voilà, je me sens bien ici. C'est notre quartier. Allez, ça, on est installé ici là. Qui lui attend? Ni hao. Comment allez-vous? Famimi, hein? Attention, attention, oh, oui, monsieur. Je suis un Billy, je m'appelle Michampo. Michampo? D'où venez-vous? Tu m'as beaucoup, longtemps, j'étais à Valentine, on nous cherchait le gouverneur. Ah oui? On m'a dit qu'on avait un quartier chinois, donc nous prenons ici envers le contrôle. Michampo, je prends le contrôle de la sécurité, c'est moi le chef. Ça vous va? Tu es le chef de la rue du bas si tu veux, mais ici, il n'y a pas de chef ici, c'est la famille Chan et la famille Ming. Oui, j'ai entendu ça, il n'y a pas de problème, pas de problème. Mon m'a occupé sécurité, juste écouter instruction quand je dis évacuation. Écoute, tu fais ce que tu veux en bas dans la rue, il n'y a pas de problème. Tu peux même tuer tous les Chan qui habitent en bas et ça nous fera des bons ménages. Ils vendent de la merde partout dans la rue. Comment ça, Chang Chinois? Il n'y a pas de problème. Mais ouais, solidarité, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais eux, je peux te dire que si tu verras quand ils vendront à Tata et leur mère des pilules bleues, tu verras que tu feras la même chose que nous. Tu feras ah, la même eux, chose. Eux vendent opium. Ouais, mais opium est pas bon. Opium mauvaise qualité. Nous monter nouveau business. Nous travailleurs. Nous monter à 20 000 longtemps pour aller de Chine. Nous monter aussi en Amérique. Pour pas Mexicain entre Amérique. Et aussi avoir business de restaurant, B42 Covette, Pâté Périot, Repentant, tout, restaurant. Plus salon massage avec Happy Ending. D'ailleurs, si vous pouvez prêter vos femmes pour qu'on puisse avoir plus de pur. Oui, vous prêtez vos femmes avec nous vous payez, nous. Oui, oui, mais les femmes ici, il n'y en a plus. Hein. Ici, elles sont rentrées au pays, elles n'ont pas supporté la vie. Comment vous faire? Ah, ben on prend femmes d'autres. Hein. Ah, vous consommateurs de pur? Oui, bien sûr, oui. Puis, Ah, donc vous venez dans notre salon massage, me love you long time, saki. Oui, si elles sont pas dégueulasses, oui. On tu aimes le saki? Bien sûr, j'aime le saki. Les femmes sont pas dégueulasses. Comment c'est possible, nous pas avoir marchandises de femmes chinoises pour faire le massage? Y'a pas de problème, si belle femme, nous on paye.
On n'a pas femme. Intéressant. Mylène, ma femme. Super douée. Mylène, bonne maison. Ouais, très douée. Ah oui. Elle fait le saki saki super bon. Oh, c'est ouvert quand ton truc là qu'on puisse faire tour. C'est quoi votre nom hein? Anshao, monsieur. Enchanté, Anshao, moi tu m'y chante pas. Hein. C'est qui ça? Enchanté, mais chante pas. C'est qui là? C'est moi. C'est un blanc. C'est un homme qui veille à notre sécurité au bon déroulement des business ici. Très bien, il va être tout mettre d'ordre. Vous écoutez, vous écoutez moi. Tu es un esclave blanc. Moi, m'y chante pas. Toi, écoutez, toi, tu vis ici, hein. Pas américain, ok? Guigui, c'est où, monsieur? Ah, il parle un dialecte. Ah, très bien. En plus, il est attardé. Ça, Wuhan. C'est bon pour moi, ça. Il va être un bon exécutant. Ah, lui, bien travaillé. Il va te concentrer sur il les. Il peut faire finition pour les monsieur comme les monsieur, non? Ah, non, non, lui, c'est homme de main. Il faut des pas femmes. De main pour travail de. Non, non. Ah, lui, papa, oui, Claude. Cruz a de dire ça. Oui, il préfère copier au cœur. Mais, oui, non, 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 n'attaque pas, c'est que s'ils sont. Je pense qu'ils sont arrivés il y a peu et ils ont besoin de. Faut qu'ils prennent leur marque encore. Tu sais, là-bas, ils dirigeaient peut-être grand quartier. Hein. Ils sont pas habitués encore. Hein. Nous, on va travailler dur. Nous, on va travailler dur ici. Hein. Nous, inspecteurs, mamie, j'aime pas. Ah bah, pas avoir de problème, pas toucher un chinois ici. Hein. Moi, ça, c'est ouais, ça, il faut défendre. Mais ouais. Attention ici, shérif, très. Comment dire, très sévère hein, avec la communauté. On essaie de faire profil bas quand même. Hein. Ah, vous, ouais, c'est exactement ce qu'on veut faire. On peut avoir des meufs demain sur serveur, nous, toi et mes Amériques, tous en dit. Je vous conseille de faire ça, hein, surtout ici. C'est ce d'accord, faire. Alors c'est où, Monsieur Ming? Monsieur Ming, vous habitez où? Comme ça, nous, on va disposer d'autres quartiers. Montez-moi, vous. Nous, on est armurés ici. D'accord. D'accord. L'entrée sur le côté qui va à la clocour derrière. Les étages. Et les étages. Oui. T'as un endroit à nous conseiller pour nous, pour pouvoir dormir, tout ça. Bien sûr. Oui, nous fatigués. Nous, on a fait la promotion quartier chinois à Rhodes, à Valentine, à tout, parmi tout, partout. Bon, ben, bah, allez. Ce qu'il faut plus bas. Ouais. Ah, excuse-moi, ami chinois, tu vas faire des prix pour les armes aussi, pour les chinois. Ouais, bien sûr. Raison. Ah oui, prix privilégié pour chinois. Hein. Garde ici, il y a Li Qi qui garde tout le temps ici. Ni hao. Super grand. Ouais, tu les accueilles bien, hein. tu leur donnes meilleure chambre, hein, s'il te plaît. Donc ça chez nous maintenant. Oui, tout ce quartier, hein. Tu donnes nous. Oui, même le restaurant si vous voulez le reprendre. Ouais, on va faire un comme ça, on fait salon massage dans le background du restaurant. Ça c'est bien parce que notre oncle a fait intoxication alimentaire, il y a plusieurs morts, du coup le restaurant était fermé. Vous t'en faites pas, nous pour du bio. Ah bah ouais, voilà, nous, ça, c'est super frère, pas contrôle sanitaire par contre. Hein. Si contrôle sanitaire, on dit le restaurant est fermé. C'est pas grave, on va prendre le blanc, ça va être notre goûteur. Toi tu vas goûter les plats, ok? T'as entendu dans ton canne? Bon. Alors là, il faudrait que tu goûtes ces plats, le monsieur. Et si toi, bien travailler, tu vas voir Méline qui fait ce qui se qui. Et apparemment, la femme du monsieur fait très bon massage. Je suis intéressé. Ah, mieux que massage, ce qui se qui. Elle amène des mal et tout. Ouais, mais elle colle un peu. Hein. C'est du massage très, très proche, très proximatif. C'est un massage de CD. Avec la bouche. Qu'est-ce que tu dis? C'est un massage comme c'est toi, c'est ça? Ça va coller, voilà, ça va coller principe. Un peu. Coller. Ah, tu vas avoir les doigts qui collent. Ça t'intéresse, voilà, il propose ce genre de service aussi, hein. Tu veux te détendre avec la femme des messieurs. Tu vas déformer ma femme avec ton gros pénis. C'est qu'elle s'est fait, mais. À combien les massages, là, vous faites? Ah, ça dépendra, on va voir. Ça dépendra de la fille que les gens choisissent, tout ça. Bon. Bah, ouais. Commence à réfléchir à tout ça et puis on viendra certainement en profiter un peu, hein. Ah bien sûr. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de toute façon, vous n'hésitez pas, on est plus haut. Vous allez kiff kiff. Il faut se soutenir entre communautés, hein. China number one. Quel idiot. China number one. Ouais. Mais je vois qu'ils ont la bonne. Ouais. Nous avons toujours l'énergie à pouvoir. Allez, on monte le travail, on va dormir un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Reposez-vous bien. Plus tard, attendez. Ah, ça va être notre nouvelle maison, hein, mais je sais pas. Pauvre, ta pute!
Dites-moi un endroit où c'est ouvert, les gars. Qu'est-ce que t'en penses, hein? C'est pas mal, on va trouver la pièce. Oh, y'a ça. Les gars, trouvez-moi un endroit, ceux qui ont déjà joué au jeu, les gars. Y'a pas un endroit là où on peut s'installer? On va tout fermer pour l'instant. On va voir derrière, bien. Derrière, c'est sorti. On pourra amener un Américain ici pour découper un morceau. Tant. J'aime beaucoup. Attends. Écoute. Attends. Regarde derrière. Je m'en occupe. On passe par les caisses. Par les caisses. Vas-y, occupe-toi-en. Ah, bonjour, maintenant, je vais juste tailler les plantes ici, là. Ta coupe, ça vous dérange pas? Désolé. Allez, mon champion, taille-le. Ah, vous êtes taille-le. Un peu costaud, hein, quand même, hein. Vous allez bien encaisser, hein. Taille. Il sort un pistolet. Ah, c'est de pur. Oh, attention. Allez, coupe la viande, coupe. Couple. Attends, y'a une personne là encore. J'y vais, méchant pas. Ah, bonsoir, travailleur. Ah, grosse chaleur aujourd'hui, hein. Ah, le sac a l'air lourd, hein. Ah, vous avez besoin d'un porterie. Le riz, attendez, c'est bon, je hein, vais, le riz, je vais aider le vous. Hein. Tenez, ah, hein. Ça va être beaucoup de riz. Puis de pur. Hop. Dans la mûrie, il y a une pièce cachée. Il y en a un qui balaye là, méchant pas. Oh, c'est noir. Ça tombe bien. Ah, madame, c'est possible de balayer ici avec. Là, ici. Ah merde, y'a deux. Attends, chacun une. Ah bonsoir, mesdames. Ils comprennent pas ce qu'on dit. Ah bonsoir. Vous allez passer une bonne soirée. Allez, on va faire un plaisir, on va faire une bonne sieste. Dans le cœur. Ça pue. Ça pue. Oh, y'a une témoin. Oh, y'a une femme à ma vue derrière. Mais je sais pas. Y'a une femme à ma vue derrière. À ta place. T'entends le mauvaise son quand pure, c'est noir, ça américaine. Coupe bien. Mauvaise pure. C'est tellement bon, tu es noir. J'aime beaucoup. Beaucoup ah, bon goût. Bien. Je me sens beaucoup détendu. Tiens, prends ça. Un endroit là, on peut... Un endroit où on peut dormir. Il m'a pas un endroit où on peut dormir. Ah! Tiens. Bon alors. Alors, j'aime bien la technique américaine toute aussi. Pété, hein. La tête elle est en morceaux. Hein. Un endroit. Regarde, il y a deux noirs. Oui, on a exposé ici. Non, n'y va pas. Viens. Oh, oh deux. Ah, bonsoir. Ah oui, c'est nous qui avons dit accident, j'ai pas fait expert. Non, ah, rien oui. Du tout, c'est pas fait tout seul. Parti tout à l'heure. Ah oui, ouais. Faites attention, chéri, tu rigoles pas avec ça. Hein. Ah, ouais. D'accord. Là, le shérif, s'il a coup de feu, le shérif, il voit clairement la main, il vous emmène en geôle. D'accord. D'ailleurs, pour geste de gentillesse interasiatique, vous pouvez pas me donner un pistolet ou quelque chose.
C'est gentil. Bah, je t'avoue que là, en termes de dollars, ouais, comment donner, vous expliquer que le maire, il est très... Il n'aime pas trop les étrangers et il nous donne des taxes assez importantes. Ah, le fils de pure. Oui, oui. Qui fait que là, en ce moment, c'est très compliqué financièrement, là, monsieur. Ah, je comprends. Je pourrais te faire prix sur occasion, mais il faudra quand même que tu débordes un peu de dollars. C'est-à-dire, il y a un truc pas cher. Ah, monsieur, je veux m'en aller, je dois partir, aller respirer un peu l'air, regarder. Ça vous va? Oui, bonne nuit. Ah, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. T'as l'air, tu l'as pris chien. Bonne nuit, one thing in there. Je me sens bien dans ce quartier. C'est beaucoup mon pire. Ça me rappelle quand je me baladais à Shanghai. C'était beaucoup bon goût. On va faire le meilleur resto ici. Ça va être bien, les gars, non? Pendant longtemps, j'étais tout seul. Tout seul à me débrouiller. Là, aujourd'hui, j'ai trouvé la paix avec Lao Tzu. Mais j'ai trouvé aussi une famille. Je resterai toujours reconnaissant à la Chine. Amitié Chine, China number one. America, fuck you. Ça me rappelle le marché de Shanghai. Ici, nous allons avoir le plus grand port. Nous allons importer, exporter beaucoup de produits de la Chine vers l'Amérique. Ici, nous allons amener marchandises. Beaucoup déporter marchandises, déporter. Les tout bestiaux, animaux. Avouer que je suis un peu triste. M'a pas laissé derrière ma Chine. Mais pas oublié, pas oublié. Un jour je retournerai. Je vais revenir à ça. Je prendrai le quartier. Tout quartier. Nous allons tout populariser. Tout China ici. Ils seront les bienvenus. Je constituerai une armée pour conquérir la terre de rose. Et à ce moment-là, le gouverneur sera obligé d'accepter la puissance de la Chine. Hello! America number two, China number one.